Bonjour à tous et merci de nous retrouver ici pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Deuxième semaine et cette fois-ci à Amiens, nous sommes au Quai de l'Innovation, un endroit où évidemment nous allons parler des énergies positives, en particulier sur l'agriculture, l'innovation, une des clés de l'agriculture de demain, c'est bien le thème d'aujourd'hui. Alors évidemment, les rencontres de la recherche et de l'innovation, cet événement, l'initiative de la région de France, animée par Hauts-de-France, Développement et Innovation, au rendez-vous de cet événement Hauts-de-France avec ces fameuses rencontres de l'innovation et de la recherche. Alors aujourd'hui, on a plusieurs partenaires, on a trois partenaires qui sont organisateurs de cet événement et qui ont pris en charge l'ensemble des intervenants qui vont venir aujourd'hui. Alors on a des profils extrêmement variés, des personnes qui évidemment sont en train de monter leur projet, des personnes qui ont un regard évidemment sur l'agriculture de demain. Bref, on a essayé d'être le plus complet afin de vous donner l'envie, pourquoi pas vous aussi, de démarrer un projet, d'avoir une perspective sur les enjeux et qui sont au rendez-vous. Alors parmi ces trois partenaires, vous pouvez retrouver Rêve Agro, c'est l'écosystème d'acteurs académiques et économiques, d'experts dans le domaine de l'agriculture, de l'agtech sur le territoire du Beauvaisis. Vous avez la plateforme Agriculture du Futur, le réseau de partenaires engagés pour l'innovation agricole et pour l'agroécologie qui réunit entre autres la DRAF, la Chambre d'agriculture et la région de France, et puis l'incubateur accélérateur de référence sur l'agriculture, des startups liées à l'agriculture, c'est Itera, pour preuve que dans notre région, on sait réunir les énergies pour faire avancer les choses. Alors, on va parler beaucoup de choses. Quand on parle d'innovation et une clé pour l'agriculture de demain, il y a beaucoup d'enjeux. Ça répond à beaucoup d'enjeux sociétaux, environnementaux. Alors, aujourd'hui, on sait que tout cela est en transformation, y compris sur notre territoire. Alors, parmi ces enjeux, comment on va innover, justement, pour produire mieux avec moins? C'est un des sujets. Et évidemment, on va se poser la question dans ce deuxième temps fort, comment reprendre un peu de maîtrise, d'autonomie dans son agriculture. Et puis le troisième temps fort, c'est comment innover pour être mieux formé à l'ensemble de ces enjeux. Faut-il ou non d'ailleurs être acculturé à la communication, à différents types de visages tels qu'on peut les retrouver chez nos agriculteurs. Alors pour ça, évidemment, on a beaucoup d'énergies qui ont été mises en place ici au Quai de l'Innovation. Avec le plus grand des plaisirs, je vous propose de démarrer ce temps fort numéro 1, produire mieux avec moins. Alors, je tiens à préciser, HDFID, Hauts-de-France Innovation et Développement, qui a la chance d'animer cette journée. Vous pouvez retrouver, c'est d'ailleurs sur le site internet. Vous êtes inscrit avec nous et on vous en remercie énormément. Avec moi sur le plateau, on va retrouver Colline Bourguin-Bretin. Alors, j'espère que je prononce bien. Elle est là, Colline, ça va? Colline, vous avez tous les micros en face de vous, qui représente Trastoo, étudiante et cofondatrice de Trastoo. Nicolas Latray de Terre Innovia, qui est ingénieur de développement. Gilles Dreyfus de Jingle, qui va être avec nous en ligne dans un instant. Félix Bonduel de Javelot et Henri Desesquen, j'espère que je prononce bien, ça va, hein, d'Osiris, qui est fondateur. Avant ça, je voulais simplement qu'on vous propose de découvrir justement l'un des partenaires de cette journée avec une vidéo qui présente Rêve Agro du côté de Beauvais. C'est parti. Voilà, de retour avec nous, avec l'ensemble de nos invités pour produire mieux avec moins. C'est bien le début de ce temps fort. Alors, je vous ai présenté brièvement qui ils sont. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir
qui vous êtes. Et pour ça, on a un outil. D'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes à la fois en public ici au Quai de l'Innovation et vous nous suivez derrière vos écrans. On a un outil qu'on appelle Bicast. Vous avez le QR code qu'on vous invite à scanner. Alors, c'est le moment de sortir les téléphones, que vous soyez à la maison, au bureau ou ici dans la salle, et de scanner le QR code qui est ici présenté juste au-dessus de moi. C'est bien. Maintenant, tout le monde sait utiliser un QR code avec les conditions actuelles, hein, évidemment. Et à cela, on va vous interroger. D'ailleurs, vous allez pouvoir à tout moment participer lors de ces fameuses tables rondes. Si jamais on utilise un mot un peu trop technique, qui vous semble un peu compliqué, ou vous avez envie d'éclairer tout simplement ces échanges, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez participer également grâce à l'onglet « Questions » que vous avez sur votre droite, sur Livestorm, c'est là où vous nous suivez. Et pour celles et ceux qui sont en salle, nous avons la chance d'avoir notre hôtesse qui est avec nous, qui est prêt à vous tendre le micro pour pouvoir poser éventuellement les questions. Alors, n'attendez pas, participez à tout moment. En attendant, je vous laisse télécharger la question avec le QR code. Voilà, on va revenir plusieurs fois. Hein. Qui êtes-vous ? Alors, on a peut-être le temps, vous avez le temps, on va vous laisser le QR code, peut-être le temps de vous enregistrer. Alors, vous avez plusieurs choix, hein. Vous avez plusieurs choix. Êtes-vous étudiant, agriculteur ? Vous représentez une start-up, une entreprise, un conseiller agricole, une institution, vous êtes chercheur ou autre? Alors moi, je suis curieux un peu de voir. Déjà, sur la table ronde qui est ici, on a déjà quelques profils différents. Déjà, on a déjà une étudiante. C'est pas tout le temps le cas durant ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Alors, étudiant, vous êtes 25%. Peut-être Universal à nous suivre. Je ne sais pas si ça a été relégué. Peut-être. Peut-être. On a des agriculteurs avec nous. Très bien. Des startups aussi, des entreprises, conseillers agricoles. À peu près un quart d'institutions également qui sont avec nous. On n'a pas de chercheurs, pas d'universitaires peut-être. On va vous laisser le temps, hein, de nouveau avec le QR code, peut-être de vous enrichir, de remplir avec nous ce moment. Je disais que nous avons la chance d'avoir des étudiants avec nous sur cette table ronde et on va commencer avec Colline qui est avec nous. Alors Colline, on va voir une Ilassal qui est en force aujourd'hui. Hein. C'est ça, on est étudiante. Totalement, oui. Je suis à une Ilassal Beauvais, donc avec ma collègue qui est dans la salle, Maureen Tracol, et qui travaille sur notre projet, donc Trace Tout. Alors, on parle de projet innovant, produire mieux avec moins. Et quand on est étudiant, on peut avoir des idées incroyables, et c'est le cas. Est-ce qu'on peut expliquer, avant qu'on voit la vidéo, parce qu'on a une petite vidéo qui va vous présenter tout cela, mais en quelques mots, quel est le projet Trace Tout? Alors, Trace Tout, c'est un collier connecté pour les bovins et les équidés qu'on a créé au moment des mutilations équines qui a eu lieu en été 2020. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient une gestion des troupeaux à l'extérieur, dans les pâtures. Et on s'est dit que c'était important d'en trouver un. Et donc, c'est la base du projet. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir la vidéo qui présente le projet Trace Tout. Alors, peut-être qu'on peut expliquer en même temps, oui, Colline, je peux en parler. Sur la vidéo. On voit la vidéo ensemble. Il faut savoir que vous êtes toutes les deux issues. Alors, Maureen, plus fille d'agriculteur, hein, c'est ça. Et toi, tu es plus liée aux chevaux. Hein. C'est vrai, vous avez chacun vos particularités. C'est bien pour ça que vous êtes partie dans ces deux sujets. Alors, explique-nous un peu comment ça fonctionne. On voit qu'on s'est attaché au collier et à la queue. Voilà, donc c'est passé un peu vite. Mais donc, c'est soit un collier, soit un bracelet. On a les deux options. Donc, on a un suivi GPS qui permet de savoir où est l'animal dans la pâture. Et il y a aussi une clôture virtuelle qui fait qu'on connaît les entrées et les sorties de l'animal. On a aussi du suivi de santé, donc avec la fréquence cardiaque, la température. Et aussi, on capte les vibrations qui permettront de savoir si l'animal a des problèmes gastriques ou non. Ça, voilà, c'est la base. Donc, Maureen, oui, plutôt dans le milieu bovin. Et moi, je suis directement dans le milieu équestre, donc en vivant sur différentes structures. Et on a pu voir ce genre de soucis dans toutes nos structures. Alors, si vous avez vu la vidéo, on a pris l'exemple de l'équipement attaché plutôt à un cheval, mais on voit que c'est à peu près le même, c'est exactement le même système pour les bovins. Et ça a vraiment un intérêt pour l'agriculture. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, en quoi c'est une force d'avoir étudié, d'avoir imaginé ce système? Alors, l'enjeu, il y en a plusieurs. Donc, le premier, c'est pour l'éleveur qui gagne du temps, lui, dans sa gestion des pâtures. Au lieu de faire beaucoup d'allers-retours, on essaye d'optimiser ses trajets. Il y a aussi pour les animaux, le bien-être animal, ça fait partie des priorités. Et aussi pour les vétérinaires ruraux, parce qu'on sait que de moins en moins de vétérinaires ruraux sont dans nos campagnes à cause d'une très grosse charge de travail. Donc, c'est aussi pour les aider, eux,
nous avons créé ce collier. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est en même temps un projet d'école et en même temps, c'est une belle aventure qui démarre. Ça a commencé, on va dire, avec un projet d'école. Alors, expliquez-nous quelle est l'aventure. Comment ça s'est fait le cheminement pour imaginer cet outil qui s'appelle TraceToo et qui a un vrai enjeu économique, hein, on l'a bien compris, pour l'agriculteur, pour les éleveurs de chevaux également, puisque on comprend qu'il y a ce lien avec le vétérinaire. Dans la thématique, on peut produire mieux avec moins. Là, on est aussi un peu dans la thématique de l'autonomie, du gain de temps pour la fois l'agriculteur et les éleveurs, hein, de manière générale, et à la fois aussi, si on maintient le bovin en bonne santé, dans les rendements, on y retrouve également. Alors, il fallait l'imaginer. Comment ça s'est passé, l'histoire humaine? Comment vous avez imaginé ça? Alors, humainement, c'était pour un cours. Hein. C'était vraiment au niveau scolaire. On avait besoin de trouver un projet, et puis c'était vraiment au moment des mutilations équines. Donc, j'ai vécu personnellement dans la structure où je vis. Donc, ce côté de se sentir impuissant, ne jamais savoir si les animaux seront toujours là le lendemain, ça a été lourd à porter. On a été nombreux dans le milieu à avoir ce problème. Et donc, c'est d'ici qu'on est parti. Puis, c'était vraiment pour un cours. Et puis, on a voulu ajouter d'autres fonctions sur ce collier. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire sur la gestion de troupeaux. Et donc, c'est ajouté tout ça. Et en fait, c'est ensemble qu'on a réussi petit à petit à rajouter des fonctions. Donc, on est parti juste à la base des mutilations et des vols. Ensuite, il y a eu l'aspect de la gestion des parcelles, donc comment gérer la pâture. Et ensuite, ça s'est ajouté des fonctions de santé. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a Colline hein, qui est avec nous, évidemment. Maureen est juste devant la salle. Qui est Colline, et il y a Maureen qui est avec nous. C'est vraiment un projet en binôme. Hein. Voilà, alors on pouvait que prendre que Colline avec nous sur le plateau, mais c'est vraiment une belle aventure. Alors, ce qui est incroyable, c'est la suite de ce projet. Vous avez décidé de temporiser un petit peu, c'est ça? Alors, oui, on a eu une pause dans le projet pendant environ 3 mois. À la base, on est resté sur la partie scolaire et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu à le mener plus loin. Et donc, depuis mai, on l'a repris. Et en plus, on est suivi depuis maintenant 3 mois par un agribusiness angel qui se nomme Ariona et donc qui nous suit sur le projet, qui nous aide sur la partie technique, ce qu'il a vraiment comme ambition d'aider le monde agricole, surtout d'un point de vue numérique. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. Donc, la solution technique, elle est au point. Alors aujourd'hui, le premier prototype est prêt. Donc, on va bientôt le recevoir, nous, sur place à Unilassal, donc au sein d'AgriLab, qu'on a pu voir dans la vidéo de Rêve Agro. Et ensuite, on va nous dupliquer au sein d'AgriLab notre collier et faire nos premiers tests courant 2022. Alors, on va retrouver d'ailleurs AgriLab tout à l'heure. On ira faire une visite d'ailleurs avec Luc Haneuse. On sera directement dans l'AgriLab en question. Aujourd'hui, on a uni la salle en force, hein, même si avec Rêve Agro qui a préparé, on est dans le secteur. Mais néanmoins, bien souvent, si vous suivez les rencontres de la recherche et de l'innovation, souvent on parle d'Uni la salle. Est-ce que vous connaissiez chacun, vous, celles et ceux qui sont avec nous sur le plateau un petit peu, quelle image vous en aviez? Comment vous trouvez le projet de Colline et de Maureen, vous qui êtes déjà soit en charge de fonctions ou soit déjà dans le monde de l'entreprise, soit agriculteur? Alors, je vous laisse peut-être avec nous. La question est, est-ce que je connais Unilassal, c'est ça? Oui, Unilassal, est-ce que vous pensez du projet TraceToo? Est-ce que ça peut être utile pour... Alors, Unilassal, je connais parce que j'y ai passé 5 ans aussi et je suis un ancien de l'école, donc forcément, je connais un petit peu. Sur le projet TraceToo, je trouve qu'il est passionnant. Effectivement, il y a plein de choses à faire. Je pense que l'IoT, de manière générale, tous les objets connectés, ça peut vraiment nous aider à aller très loin en agriculture. Et il y a un gros enjeu sur l'industrialisation et aider à faire cette transition industrielle grâce aux objets connectés. Je pense qu'on peut vraiment le faire et TraceToo est un excellent exemple. Alors, on va continuer peut-être avec Henri de chez Osiris, vous qui aimez aussi les technologies. Hein. On va découvrir chacun votre activité. Vous connaissiez Unilassal, évidemment? Oui, tout à fait. Je connais Unilassal, qui est une école du coin de là où je viens. Et effectivement, c'est une très belle école. Et ce qui est très beau, c'est de voir qu'ils poussent aussi les projets entrepreneuriaux à l'intérieur de l'école, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est répandu dans toutes les écoles. Donc ça, c'est très intéressant et ça fait plaisir, parce que je pense que c'est une partie de la solution pour faire évoluer, que ce soit l'agriculture, mais tous les autres domaines. Et puis ensuite, concernant le projet TraceToo, comme tu l'as dit, l'IoT est une solution pour l'agriculture de demain, pour réussir à nous permettre de faire mieux
avec moins. Je crois que c'est le titre d'aujourd'hui et c'est quelque chose que j'aimerais voir pousser le plus loin possible pour voir ce que ça donne à la fois pour l'agriculteur d'un point de vue technologique et puis aussi économique et tout ce qui touche à l'agriculture. Ah, je posais la même question hein, sur tour de table à Nicolas Latrède de Terrinovia. Tout à fait. Bon, moi, je suis un peu plus éloigné de la partie élevage, mais on teste aussi hein, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est objets connectés, que ce soit des pièges connectés donc dans les champs ou des choses comme ça, qui permettent d'apporter, de simplifier la vie des agriculteurs ou des personnes qui sont sur le terrain. Ça apporte beaucoup. Moi, après, je suis un peu plus éloigné de l'élevage, donc j'avoue que je connais un peu moins les bienfaits et les besoins de cette partie-là. Mais je sais qu'au niveau de tout ce qui est gestion parcellaire, toutes ces choses-là, on a des choses qui existent en grande culture. Gestion de parc matériel aussi, on a des startups qui se sont lancées là-dedans. Donc c'est bien d'avoir ce suivi dans le temps. Voilà, c'est important de voir à quel point on peut avoir des étudiants qui sont avec nous, qui arrivent à monter des projets qui peuvent être inspirants et qui sont, dans l'air, dans les attentes, en tout cas, de ces défis de demain, notamment pour produire mieux avec moins. Comment s'est déroulé votre accompagnement? Comment petit à petit vous avez fait ces rencontres avec votre partenaire technique, entre autres? Est-ce que vous avez eu des interactions avec d'autres entreprises aussi ou... Alors, au début, on travaillait uniquement avec Unilasal, et puis plus principalement avec l'AgriLab. C'est l'AgriLab qui nous a permis de faire le lien avec cet AgriBusiness Angel, donc Ariona. Et ensuite, depuis peu, on est pas mal en contact avec des entreprises qui sont des concurrents directs ou indirects, avec qui on échange énormément sur le projet, mais aussi sur leurs entreprises. Ça nous amène beaucoup pour le projet. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu... Alors, j'ai des questions, évidemment. On a une question de la part des internautes qui nous suivent. N'hésitez pas, si vous voulez participer, échanger avec nous, poser des questions, y compris celles et ceux qui sont dans la salle. D'ailleurs, on est venus en groupe avec d'autres étudiants de Nilassal. Non, on est Maureen. Vous auriez pu venir avec un groupe complet. Hein, ça nous aurait fait plaisir. Normalement, Ils sont en ligne avec nous, ils nous suivent derrière. Alors, voici la question. Comment Trastoo se positionne-t-il par rapport au collier Digitanimal, société espagnole? Ah, est-ce que vous connaissiez déjà le collier Digitanimal? On connaît très bien Digitanimal, puisqu'on peut dire que c'est un concurrent direct, mais on ne voit pas ça comme une concurrence, comme un problème. C'est plus une opportunité. Récemment, c'est aussi une entreprise qui s'est rapprochée de Beauvais. Donc, on est tout dans la même région. Mais par rapport à eux, on pense qu'il y a des opportunités. On est ouvert à tout dans les discussions. Voilà, donc vous n'êtes pas contre un partenariat, par exemple? Pourquoi pas, hein, tout peut se réfléchir. Vous connaissez la société, vous dire que c'est une société espagnole qui est venue s'implanter aussi dans le Beauvaisis? Tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient en Espagne, ils sont même dans plusieurs pays. Et là, ils sont arrivés vraiment fort en France depuis, je pense, ça fait 3 mois. Et il y a une différence entre, c'est la même technique, la même technologie qui est déployée ou pas? C'est à peu près le même principe. On n'est pas forcément sur exactement les mêmes créneaux de fonction. Qu'eux, ils sont plus sur uniquement du GPS. Nous, on a vraiment rajouté une partie suivi de santé que Digitanimal n'a pas forcément. Et donc, c'est ça qu'on rajoute. Voilà, on peut plutôt être fier, du coup, si on a une fonction supplémentaire. Oui, on peut être content. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir qu'on a des entreprises qui viennent s'investir dans les Hauts-de-France et s'inspirer également des projets qui sont menés sur notre territoire. Alors évidemment, Colline, vous n'hésitez pas hein, à intervenir avec l'ensemble des intervenants qui sont avec nous. On en a un qui nous suit actuellement en ligne. Alors, il n'est peut-être pas en Espagne, mais il a également une partie de l'activité qui est au Portugal. On va parler de l'entreprise Jungle et on va retrouver Dreyfus. On va retrouver Gilles Dreyfus d'ici un instant. Juste avant de le retrouver, je voudrais poser, puisque j'ai Colline qui est encore avec moi, est-ce que les étudiants ont déjà entendu parler de fermes verticales? Totalement, oui. Ah, bah alors, je vous propose d'aller voir ça. Vous avez déjà visité une ferme verticale? Non. Eh ben, je vous propose d'aller voir ça en direct, puisque nous sommes en duplex avec Gilles Dreyfus. Bonjour Gilles, quelle belle vue. Alors, faire un échange assez particulier, puisqu'on ne pourra pas échanger comme c'est prévu en direct. On va te laisser plutôt présenter vraiment l'endroit où tu es, ce que représente Jungle et évidemment la particularité de ces fermes verticales, en quoi ça permet à nos agriculteurs de produire mieux avec moins. Alors, on est à quel endroit déjà, Gilles? Est-ce qu'on est... Là, donc, vous êtes en direct de notre ferme Jungle à Château-Thierry, donc dans le
la zone industrielle de Épau-Bézu, qui se trouve dans l'Aisne, donc dans les Hauts-de-France. Alors, c'est un endroit incroyable, comme on peut le voir, évidemment, avec cette image spectaculaire de cette ferme verticale. C'est vraiment une référence. Je vais te laisser présenter un peu comment ça fonctionne techniquement, quelle est l'aventure Jungle. Et puis, il faut savoir que c'est une aventure européenne aussi. Ça, l'histoire a démarré entre la France et le Portugal. Je te laisse présenter ça. Absolument. Alors, peut-être je vais définir ce qu'on fait et puis ensuite je vous raconterai l'histoire et puis quel est l'avantage de l'agriculture verticale. Est-ce que vous m'entendez bien là ? Parfaitement. Ok, génial. Donc, chez Jungle, on construit et on opère des fermes verticales, donc ce que vous voyez derrière moi, et l'angle ne rend pas justice, l'angle de la caméra ne rend pas justice à la verticalité de l'agriculture qu'on fait. Et donc, une fois que je présenterai ce qu'on fait précisément dans cette ferme, je vous montrerai un peu plus la hauteur sous plafond et le nombre de niveaux de culture qu'on a. Globalement, on construit et on opère ces fermes en environnement contrôlé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement contrôlé ? C'est qu'on intègre à l'intérieur du bâti tous les éléments naturels extérieurs à l'intérieur. Donc, eau, air et lumière. Je vais m'expliquer juste après. Et donc, dans ces fermes verticales, nous, on est actifs commercialement dans deux industries. La première, évidemment, l'industrie alimentaire, où on fait pousser des fruits et des légumes. Et notre particularité chez Jungle, qui est une particularité mondiale, c'est qu'on n'adresse pas seulement l'industrie alimentaire, mais on adresse aussi l'industrie du parfum, de la cosmétique et de l'aromathérapie. C'est-à-dire qu'on va faire pousser des fleurs et des plantes, rares et moins rares, qui vont être destinées à de l'extraction, qui vont ensuite créer des huiles essentielles, qui vont être introduites dans des parfums, dans des crèmes ou dans des produits qui ont attrait au bien-être ou à la santé. Donc voilà ce qu'est Jungle. Alors l'histoire, c'est une histoire humaine aussi, effectivement. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la finance. Et un matin de janvier 2015, j'ai lu un article sur le problème de la nutrition dans le monde et comment est-ce qu'on allait nourrir la planète d'ici 2050. Et à la fin de cet article, comme une promesse, il y avait 3 lignes sur l'agriculture verticale. Mais je suis tombé dans la potion magique d'Alice au Pays des Merveilles et j'ai été absolument fasciné par cette notion. J'ai commencé à rechercher. Je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur émérite de l'Université de Columbia à New York qui était le père du concept. J'ai été le rencontrer. Et de fil en aiguille, j'ai voyagé un peu à droite, à gauche dans le monde pour essayer de comprendre ce qui existait. J'ai passé beaucoup de temps au Japon, au Texas, évidemment à New York, où j'ai rencontré mon associé. Et moi, j'habitais à Paris à l'époque et lui à Lisbonne. Et moi, j'avais une envie de faire une ferme verticale à grande échelle comme la ferme dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et mon associé avait plus envie de fournir la technologie à des entrepreneurs comme moi. Et comme l'industrie était très jeune en 2015, on a décidé d'assembler nos forces. Et c'est comme ça qu'est né Jungle. Alors, on a une petite coupure liaison. On va retrouver d'ici quelques instants Gilles Dreyfus, parce que le but au du départ, jeu, évidemment… Au départ, moi, j'étais dans la finance. Alors, Gilles, on a été coupé quelques instants, mais on va te laisser reprendre. On t'a récupéré. Là, il y a un instant, on est toujours en duplex dans la ferme du côté de Château-Thierry. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu. Peut-être que vous pouvez me dire où est-ce que ça a coupé. Alors, on a suivi toute l'aventure à travers le monde et le partenariat avec l'associé qui venait de Lisbonne. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est voir évidemment la technologie qui est déployée. Et puis également, savoir si cette aventure, quand elle a démarré sur le territoire des Hauts-de-France, est-ce que vous avez bénéficié éventuellement d'un accompagnement ? Comment ça a été accueilli ? Voilà. Et quel est le développement en cours de Jungle ? D'accord. Alors, peut-être, comment est-ce que ça fonctionne ? Je parlais des recettes de culture. Donc, en fait, peut-être pour répondre au panel d'aujourd'hui, produire mieux avec moins, en fait, le fait qu'on soit en environnement contrôlé, on apporte très précisément à la vie végétale et aux végétaux et aux plantes ce dont elles ont besoin. Donc, la nutrition, nous, on n'a pas de terre dans le système, donc on est en hydroponie. Donc, on apporte un mélange d'eau, de sels minéraux et de nutriments, donc précisément ce que les racines vont chercher dans la terre, eh bien nous on apporte ça aux plantes. Alors il y a des cycles d'irrigation qui sont chargés avec une conductivité électrique qui va varier selon la variété de la plante et avec un nombre d'irrigation et de cycles d'irrigation par jour qui va varier selon le végétal mais aussi la période de croissance dans laquelle se trouve la plante, hein. Au début de la vie de la plante, au milieu et quand elle est récoltable, eh bien la nutrition des plantes ne va pas être faite de la même manière. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la photosynthèse. Comme on est en environnement contrôlé, il n'y a pas de soleil. Et donc, on réalise la photosynthèse à travers des LED horticoles que vous voyez derrière moi. Donc,
c'est à la fois un spectre et une intensité. Et évidemment, on apporte très précisément ce dont les plantes ont besoin. Et ça va varier selon les variétés, encore une fois. Et on n'allume pas la lumière d'un coup, en fait. On va reproduire ce que fait le soleil. Donc, il y a un lever de soleil jusqu'à arriver au zénith et se coucher. Et par rapport à cette lumière, eh bien, on va adapter le climat. Et dans le climat, il y a la température, évidemment, l'humidité, l'humidité relative pour que les plantes puissent transpirer, donc ce qu'on appelle l'évapotranspiration, la concentration de CO2, la circulation de l'air, puisqu'on renouvelle l'air, évidemment, et la simulation du vent. Il y a certaines variétés qui ont besoin de vent pour se déployer. Alors, l'avantage de tout ça, c'est évidemment qu'on n'utilise pas de pesticides. On utilise entre 95 et 98% moins d'eau. Mais évidemment, comme on est en environnement contrôlé, on optimise les paramètres dont je viens de vous parler, ce qui veut dire qu'on a des cycles de croissance qui sont plus courts que dans la nature ou dans des serres. Et donc, on a une multiplicité de cycles par an. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est prédictible, c'est extrêmement traçable. On sait très précisément ce qu'on met à l'intérieur et ce qui sort. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de choses qui sont cachables. Et donc voilà, ça c'est les vertus que l'on propose dans cette méthode d'agriculture. Alors, dans tout ça, on parle beaucoup d'agriculture du futur, mais nous, on ne compte pas remplacer quoi que ce soit. Il y a l'ordre établi aujourd'hui. Le monde évolue, les consommateurs ont des nouveaux besoins, ont des nouvelles envies, et nous, on est une réponse complémentaire à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe avec l'importation de produits frais et fruits et légumes, que ce soit dans l'alimentaire, mais aussi dans les parfums et la cosmétique, selon je parlais tout à l'heure. Et c'est une forme d'agriculture qui est propre, puisqu'il y a absolument zéro pesticide, et je pense qu'on va dans le sens de l'histoire. Donc voilà, peut-être je change l'angle de la caméra, excusez-moi, je vais essayer d'y aller doucement. J'ai un iPad. Donc en fait, là, vous êtes dans une ferme. Chez Jungle, on est dans une tour de culture. Donc, selon les variétés, eh bien, on va avoir des environnements de culture différents. Donc une tour comme celle-là, elle fait 4 mètres sur 6. Et il y a 25 plateaux de culture qui font 6 mètres sur 2, 5 mètres sur 2, pardon, qui sont installés dans chacune des tours. Et dans la ferme de Château-Thierry, on a 20 tours. Ce qui représente à peu près chacune de ces tours avec les plateaux, produit à peu près 8 tonnes de végétaux par an. Et donc, ce qui veut dire que globalement, une ferme en pleine capacité à Château-Thierry produit 160 tonnes par an. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'on a 3800 m² au sol et on a 9 mètres de hauteur sous plafond. Donc, l'agriculture verticale, l'avantage, c'est bien évidemment d'en pousser sur plusieurs niveaux et en superposant les niveaux les uns au-dessus des autres. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, Gilles, les images que l'on voit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah oui, oui, les images sont fantastiques. Hein, c'est extrêmement impressionnant. Je suppose que quand vous êtes arrivé avec votre partenaire pour démarrer un projet comme celui-ci, tel qu'on connaît l'agriculture dans notre région, hein, évidemment, je suppose que ça a été perçu comme quelque chose d'extrêmement innovant. Vous avez bien expliqué quels étaient les atouts hein, de la maîtrise que offrait notamment l'agriculture verticale. C'est fermes verticales. Comment s'est passée l'aventure en elle-même pour celles et ceux qui sont des chargés de projet, qui ont un projet en tête, qui nous regardent, disent, ben moi j'ai plein d'idées aussi. Comment vous avez démarré le point de départ pour démarrer cette aventure Jungle? Est-ce que vous avez été accompagné? Vous êtes frappé à quelle porte? Quel a été le point de départ pour vous pour pouvoir démarrer tout simplement? On peut se poser la question quand on a l'idée, comment on arrive à l'étape d'après et la réalisation? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez encore. Gilles? Déjà, ça, c'est le premier élément. Alors, Gilles, on a une légère coupure. Il faut expliquer que, évidemment, c'est... En fait, nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on, pendant 3 ans au Portugal, ben, on a... Alors, Gilles, on vous a perdu quelques petites minutes. Je ne sais pas si vous nous entendez encore. Oui. Superbe. Alors, on n'a pas entendu du tout la dernière intervention. Et vous aussi? Ok. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué de poursuivre. On a juste une question. Alors, peut-être que tu vas entendre la question, Gilles, avec nous. Je vais demander à ce qu'on me remonte un peu l'écran. Est-ce que le contenu en nutriments alimentaires des produits de Jungle ont été comparés à celui des légumes de jardin conventionnels?
Alors, je ne sais pas si tu as entendu ou pas la question. Ouais, j'ai entendu. Ça, c'est toujours une question assez formidable, parce que c'est une bonne question. Mais dans l'absolu, ça veut dire un jardin conventionnel, c'est quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est une ferme qui produit et qui vend à des supermarchés? Est-ce que c'est une ferme en France? Est-ce que c'est une ferme dans le sud de l'Espagne? Est-ce que c'est une ferme au Maroc, en Israël ou encore plus loin dans l'hémisphère sud? En fait, ce qu'on trouve dans nos supermarchés, au fur et à mesure qu'on change dans les saisons, eh bien, ça vient de plus en plus loin. Donc, comparé à quelque chose qui est moyen dans un rayon très, mais effectivement, l'apport nutritif, c'est-à-dire, et les vitamines, parce que les nutriments, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est les vitamines qu'il y a dans les produits. Bien sûr qu'on a comparé et on est au moins équivalent à une ferme locale bio, voire supérieure en vitamines et en nutriments dans ce qu'on fait pousser. En fait, l'agriculture verticale, si les produits sont moins bons, elle n'existe pas. On doit être au moins aussi bon que ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Donc, les tests ont été faits dans 3 laboratoires différents, externes à Jungle, pour justement valider ça. Allez, j'ai une dernière question avant de vous laisser, Gilles, avec nous. Quel est le bilan carbone de ce type de culture par rapport à un modèle plus conventionnel? Évidemment, on vous avait bien expliqué quels étaient les atouts par rapport à... Mais quand on voit les lampes, quand on voit, on se pose la question s'il n'y a pas un bilan carbone. Alors, est-ce qu'on a, vous avez fait le bilan carbone? On l'a perdu, je pense. On gardera la question peut-être avec la partie chat. On va essayer de revenir si on arrive à récupérer Gilles Dreyfus. Il faut l'excuser, hein, puisqu'évidemment, on est en direct, en duplex, dans sa ferme. Il voulait absolument nous montrer mais à quel point c'est spectaculaire. Je vais peut-être réagir avec vous. Avec vous, Nicolas, qui travaille sur Terre Inovia, vous, le végétal, c'est un peu aussi votre domaine, un peu. Est-ce que ça vous inspire un peu ce modèle tel présenté par Gilles Dreyfus avec les fermes verticales? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Gilles a pu dire que c'était complémentaire et qu'il ne fallait pas tout miser non plus sur ces fermes verticales, que je pense qu'on ne peut pas faire les mêmes choses et les mêmes productions entre ces deux systèmes. Là, ce qui était intéressant, c'était toutes les parties parfumerie et autres, qui sont des fois des cultures qui peuvent être compliquées à cultiver en plein champ. Donc, ça permet d'apporter une production tout au long de l'année sans les importer de l'autre côté de la terre. Par contre, sur des productions un peu plus grosses, type le blé, le colza ou les cultures un peu plus classiques, c'est sûr que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse les faire en ferme verticale. Alors justement, on va en savoir davantage sur Terre Inovia d'ici quelques instants. On va garder la question de côté pour Jungle. On a une question dans le public. Alors dites-moi à qui est adressée la question, s'il vous plaît. Ah, au monsieur Terre Inovia. Alors allez-y, alors, je ne sais pas si le micro passe ou pas, on ne vous entend pas en salle. Et je pense qu'on a l'ordinateur des questions qui passe sur le son ici. On garde de côté la question de Jungle. Et est-ce que ça fonctionne? Allez-y, parlez dans le micro. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, éventuellement, si vous représentez une structure, de nous dire ou si vous êtes étudiant ou alors, entreprise? Je me présente, je m'appelle Trocmé Antoine. Je suis étudiant en apprentissage BTS AXE à Genève Formation à Léquin. Et j'avais une question. Un projet comme celui-ci, ça doit avoir un investissement assez conséquent. Et imaginons sur l'investissement, sur combien de temps peut-on le rentabiliser? Alors, vous parlez du projet de la ferme verticale hein, qu'on vient oui, de voir. Oui, hein. Oui, exactement. Parce que Nicolas, je ne suis pas sûr qu'il pourra répondre. Lui, il n'a pas travaillé sur ce projet-là. Mais par contre, on garde la question. On va la mettre de côté. Si on arrive à récupérer Gilles à la fin de ce temps fort-là, on va, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. On avait une question aussi pour Colline. On va remonter. J'en ai une aussi pour Colline. On va récupérer, c'est ça, on va récupérer Gilles d'ici quelques instants. Donc, en attendant, on va laisser Colline, restez avec nous, hein, évidemment. Hein. On va laisser Colline répondre à la question sur le projet Trastou. Quelle est la différence avec le collier? On va faire tous les autres colliers, en fait. Le collier Litus ou Medria ou Derrymaster. Donc, on voit qu'il y a plein de colliers qui se développent là, actuellement. Totalement. Donc là, déjà, ces colliers qui sont cités, ils sont vraiment pour les bovins
quasiment uniquement, à la différence de DigitAnimal. Et ils sont vraiment sur une partie détection des chaleurs, la partie aussi très sur le lait, dairy forcément. Donc nous, on n'est pas trop sur cet axe. Et donc, quelle est la différence? C'est que notre fonction de santé, elle est sur vraiment les maladies gastriques, ce que n'ont pas tous ces colliers. Et on a aussi vraiment une partie où on intègre totalement le vétérinaire dans la création du collier et dans l'utilité de l'ensemble des données. C'est donc le collier appartiendra aux éleveurs, c'est eux qui auront les données. En revanche, les vétérinaires auront accès à ces données et pourront. Voilà, il y a vraiment le côté d'avoir les vétérinaires en tant que partie prenante. Pour le moment, ça n'existe pas trop. Elle connaît bien son dossier, hein, Colline, ça plaisante pas. Elle connaît tous les concurrents, tous les grands dossiers. Je vous propose, en attendant qu'on récupère Gilles de sa ferme verticale Jungle, qu'on découvre le projet. Ah, on le retrouve à l'instant, me dit-on, en duplex. Alors, très très vite, hein, Gilles, parce qu'on a beaucoup de questions. J'espère que tu nous entends bien. On a une question qui part de la salle d'un de nos étudiants. Allez-y, je vous laisse répéter la question. Oui. C'était pour savoir, un projet comme celui-ci doit avoir un investissement assez... Je l'ai entendu. Ah super, bon, on va pouvoir répondre. Un projet comme celui-ci... Oui, ça... effectivement, effectivement, l'agriculture verticale est ce qu'on appelle capex intensive, c'est-à-dire que pour monter ces fermes, en fait, il y a une distinction à avoir, c'est l'agriculture urbaine et l'agriculture verticale. Nous, on ne croit pas aux économies et à un modèle financier dans une agriculture urbaine pour nourrir la population. C'est des choses il y a des initiatives qui sont extrêmement intéressantes, et je ne suis pas du tout en train de critiquer qui que ce soit, mais simplement, si on veut que ça fonctionne économiquement, et c'est vraiment l'objectif, il faut activer des économies d'échelle. Donc, il faut faire ça d'une manière industrielle. Donc, on peut faire de la qualité d'une manière industrielle. Et pour ça, effectivement, il faut des capitaux. Nous, on a levé... sous forme de trois levées des fonds en seed et en pré-seed, à peu près 5 millions d'euros au total. Et on a fait une grosse série A en février de cette année où on a levé 42 millions d'euros. Donc 7 millions d'euros en equity et 35 millions d'euros en dette. Et effectivement, ces éléments et ces levées donc, qui ont été... On l'a reperdu. On va remercier beaucoup Gilles Dreyfus qui était en duplex avec nous. Je pense que ça a répondu en partie, mais effectivement, on voit quel est le travail incroyable et le levée de fonds hein, que ça représente évidemment comme investissement, mais avec beaucoup de cohérence. Hein. Dans la démarche, je vous propose de découvrir davantage le travail de l'Institut Technique. On va bien parler de Terre Innovia, on va parler du projet Cypre. On a une vidéo qui est prête. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la vidéo avant? On peut. Alors, bon, je vous propose de repartir et de découvrir tout cela ensemble en vidéo. On peut la commenter ensemble aussi. Alors, on va pouvoir la commenter, hein, voilà. Peut-être en même temps. Bah, sur le projet Cypre, là, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer qu'on travaille sur avec des outils agricoles déjà, montrer qu'on travaille vraiment avec les outils que font les agriculteurs. On s'éloigne un peu de la robotique dont on va parler un petit peu après. On a des projets, donc c'est un projet qui est national, qui a été lancé par trois instituts techniques, donc Terre Innovia, que je représente, Arvalis, qui est l'institut des céréales, et l'ITB, qui est l'Institut de la betterave. Donc, c'est un projet qui est national, avec 5 plateformes dans toute la France. Et là, on va parler un peu plus particulièrement de la plateforme Picard, donc qui est basée à Étrémont, pas très loin de Péronne, pour ceux qui connaissent, sur laquelle on va tester deux systèmes. Un système qui est dit innovant, et comparé à un système témoin, qui est témoin par rapport à ce qui se passe, à ce qui se passe dans le Santerre. Alors, j'ai à rappeler qu'on va avoir Arvalis qui va être avec nous dans le troisième temps fort. On pourra découvrir aussi davantage cet institut hein, qui vous accompagne aussi sur ce projet Cypre. C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif de Cypre, c'est d'atteindre une excellence environnementale tout en ne dégradant pas la qualité et la productivité de l'exploitation et puis d'être toujours, bien évidemment, rentable pour l'agriculteur. Voilà les grands objectifs. Et pour cela, c'est vraiment... C'est des évaluations multicritères qui sont faites, donc du point de vue économie, d'un point de vue environnemental et sociétal aussi, avec le temps de travail de l'agriculteur qui est important. Alors pour ça, vous êtes parti sur une démarche qui est assez longue. Hein. On est sur quel tempo actuellement? C'est un projet à horizon au minimum 10 ans, et là on vise même 20 ans, jusqu'à 2035 du coup, ce projet Cypre. Alors pour ça, vous avez plusieurs axes qui vous permettent d'avancer sur le projet Cypre. C'est ça. Donc on a trois axes principaux. On a un observatoire des pratiques qui nous permet de rester toujours dans le temps parce que comme c'est un projet long,
Si au bout de 10 ans, on commence à arriver avec des résultats, mais qui sont datés de 10 ans, il n'y a plus de pertinence pour les agriculteurs. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer les deux systèmes au cours du temps. Donc cet observatoire des pratiques est là pour ça. Ensuite, on a les plateformes expérimentales, donc que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo en vue aérienne. C'est une plateforme qui fait à peu près 10 hectares avec des parcelles qui font 25 par 45 mètres, donc des parcelles qui nous permettent d'utiliser du matériel agricole. Et derrière, on a des réseaux d'agriculteurs qui sont plus ou moins développés selon les plateformes, parce que c'est assez compliqué d'emmener des agriculteurs des fois dans ces réseaux-là. Mais on est là pour prendre les risques pour les agriculteurs et donc d'avoir des échanges pour voir aussi, parce que les innovations viennent aussi des agriculteurs, donc voir ce qu'ils font chez eux et de pouvoir essayer de le mettre en place sur nos plateformes pour voir un peu comment ça s'adapte dans des conditions un peu plus contrôlées et des conditions qui sont observées régulièrement. Donc l'idée, c'est bien de trouver les bonnes pratiques, de les découvrir, de les partager, de s'en inspirer également de ce qui existe déjà. C'est ça. On peut donner quelques exemples d'applications réellement, il y a encore un peu tôt peut-être par rapport à la longueur pour avoir les résultats, mais qu'est-ce qui ressortirait comme étant inspirant déjà de vos recherches? Après, donc, sur les plateformes, on a des objectifs qui sont aussi locaux. Nous, on a un gros objectif sur la plateforme de Picardie, c'est d'essayer d'améliorer la fertilité des sols. Donc déjà, dans le système innovant, on limite le labour, on n'en fait même plus, pour éviter de mélanger les horizons de surface. Et pour ça, après, on a aussi différents leviers qui peuvent être mis en place. Par exemple, culture que je connais bien, puisque c'est celle dont l'Institut s'occupe, c'est le colza. On a pu mettre en évidence la pertinence de placer un colza derrière une légumineuse qui permet de valoriser au mieux l'azote de la légumineuse précédente. Et là, on a des techniques un peu plus qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, type un strip-till, donc c'est le fait de travailler juste sur le rang de la culture, mais des strip-till d'été qu'on met en place également. Et aussi, on a du prébutage en pommes de terre, par exemple, des choses dont on entend parler de plus en plus, mais qu'on essaie de faire en conditions contrôlées et avec des observations. Vous voyez dans la vidéo une petite observation d'un profil racinaire et d'un profil cultural où on observe de voir la différence de développement des racines et également de la structure du sol en fonction des différentes techniques d'implantation. Donc vous travaillez beaucoup sur une approche sur les rotations possibles, sur les capacités aussi à mettre d'être moins dépendant peut-être des matières minérales, ou il y a vraiment une approche complète. Est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs, quand ils travaillent avec vous, avec l'institut, ils voient tout de suite l'intérêt de partir dans ces démarches? Est-ce que c'est une attente chez eux? Alors de plus en plus, parce que l'aspect fertilité des sols intéresse de plus en plus. Sur cette partie fertilisation minérale, par exemple, notre but, c'est d'essayer de la réduire. Donc pour ça, dans le système innovant, on a ajouté deux cultures qu'on retrouve tous les ans, qui est le colza et le maïs, qui sont deux cultures qui apportent énormément de carbone au sol. Ce sont les deux cultures de grandes cultures qui apportent le plus de carbone organique au sol. Et donc également, on a rajouté une légumineuse qui, elle, apporte de l'azote via sa fixation symbiotique, qui apporte de l'azote à la rotation. Donc c'est vraiment un travail à la rotation qui a été mis en place sur cette plateforme-là. Et on apporte aussi bien évidemment de l'engrais organique, chose qui n'est pas couramment fait en région, ou pas assez en tout cas. Alors si on a des agriculteurs, on a vu tout à l'heure dans le sondage parmi celles et ceux qui nous suivent, on a des agriculteurs qui sont avec nous, qui veulent participer à l'expérience ou d'autres projets, comment faut-il? Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Non, le but, c'est de communiquer au maximum, et on sait que les agriculteurs sont aussi les meilleurs communicants. Entre eux, le bouche à oreille va très vite. On a des contacts avec plusieurs groupements d'agriculteurs en région avec qui j'ai des échanges. Et après, s'il y a d'autres groupements d'agriculteurs ou autres qui sont intéressés par la plateforme, qu'ils n'hésitent pas à venir nous contacter. Les coordonnées sont facilement trouvables sur les sites internet, que ce soit le site internet de CIPRE ou le site internet de l'Institut. Et ce sera avec plaisir que je les accueillerai sur la plateforme pour échanger. Alors, on est bien. Alors, on a une question. Pour le projet CIPRE, est-il prévu un suivi de la performance économique et de la soutenabilité environnementale des pratiques? Si oui, comment? Question bien complète. C'est une question bien complète, effectivement. Alors, le projet CIPRE, c'est un peu le côté complexe de ce projet. C'est qu'aujourd'hui, un essai classique, on va avoir des résultats tout de suite, d'une année sur l'autre. Il suffit de le répéter 2-3 ans. On va avoir des conditions climatiques un peu différentes et on va pouvoir avoir des résultats assez rapidement et de l'évaluation statistique.
Là, pour le projet Cypre, on est obligé, comme c'est des rotations qui sont longues, on ne peut pas avoir de réels résultats avant la fin d'une première rotation. Et donc, pour avoir ces résultats, on a des outils qui s'appellent, un outil qui s'appelle Cister en particulier, qui est un outil d'évaluation des systèmes de culture et qui permettent, via des calculs, d'avoir une rentabilité économique, d'avoir tout ce qui est marge brute. Donc nos parcelles font 25 par 45 mètres. Elle fait 10 hectares, notre plateforme, mais derrière, elle est extrapolée à une exploitation de 160 hectares, qui est la moyenne en région, et en tout cas pour ce type de culture. Et donc, ça nous permet d'évaluer le côté environnemental, le côté économique et le côté temps de travail également. Alors, j'ai deux questions qui viennent d'apparaître. Alors, très brièvement, comment accéder aux résultats des essais sur les cultures? Là, il y a encore trop tôt. Alors, on a des résultats qui sortent chaque année. On a une évaluation qui est faite chaque année dans les conditions de l'année. Donc ça, c'est disponible gratuitement sur le site cypre.fr. Donc, vous pouvez retrouver facilement sur l'onglet de la plateforme les résultats d'évaluation. Et puis régulièrement, on fait des publications sur ce site-là, sur les petites nouveautés de l'année. Tout ce que vous constatez, tous les résultats qui sont en cours avant même la fin de toutes les rotations, tout ce que vous pouvez, vous le remettez. C'est ça. Ça met un petit peu de temps. Souvent, il y a à peu près un an de traitement pour avoir ces résultats parce que c'est énormément de données qu'on collecte chaque année. Mais voilà, ça permet de les mettre en ligne assez rapidement. Allez, une dernière question. Y a-t-il des essais chez les agriculteurs ou uniquement en station expérimentale? Alors, la plateforme en tant que telle, des essais aussi poussés et des relevés aussi poussés que sur la plateforme, on n'en a que sur la plateforme. Après, c'est le but des réseaux d'agriculteurs, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui fonctionnent sur notre plateforme, pas de voir dans un autre milieu pédoclimatique si on peut réaliser ce même type d'expérimentation. Donc, en région, le réseau d'agriculteurs commence seulement à se développer après 50 projets, parce que c'est assez difficile de mobiliser des groupes d'agriculteurs qui sont prêts à passer du temps pour échanger avec nous. Mais normalement, là, les premiers contacts sont faits et on a des premiers suivis qui sont en place cette année. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Voyez la diversité des exemples déjà qu'on vient de montrer. Puis vous avez parlé de colza, ou on va parler de blé. Et pour ça, il faut le stocker correctement. Et c'est une transition parfaite pour partir avec Javelot, avec Félix Bonduel qui est avec nous. Merci encore une fois. Alors, est-ce qu'on a une vidéo de présentation? Je vous propose de la regarder et après vous nous expliquez la force de Javelot et en quoi c'est une solution qui est extrêmement innovante. Attention, c'est parti en image. Alors peut-être, on utilise Javelot depuis 2017 avec des sondes à planter et depuis peu, nous accélérons notre installation. Aujourd'hui, la gestion de ces insectes, la gestion des températures avec l'optimisation de la ventilation. L'objectif, c'est d'avoir un produit de qualité. La ventilation avant tout, qui dit ventilation dit maîtrise des coûts. Avec un bon maillage Javelot, l'opérateur peut suivre l'évolution de son stockage à plat d'une manière journalière sur son smartphone, sur son PC. Avec cet outil Javelot, on a une gestion vraiment de la thématique complète de la conservation du grain, de la suivi de température, de l'enregistrement et d'exploiter ces bonnes plages de ventilation. Et l'intérêt de tester ces quatre solutions, dont celle-ci, la ventile, c'est vraiment que l'opérateur ait ce suivi, cet enregistrement et la garantie qu'il exploite les meilleures plages. Aujourd'hui, Javelot, c'est vraiment un outil pilotage qui permet de piloter le thème de la conservation du grain. Aujourd'hui, il faut suivre, enregistrer, ventiler. Voilà une vidéo qui est extrêmement bien faite. On a bien compris quel était l'intérêt de Javelot. C'est une très belle aventure. Ça fait combien de temps que Javelot existe? Alors, ça fait maintenant 4 ans, quasiment 4 ans, parce qu'on a été créé en janvier 2018. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre parcours personnel, vous êtes passé par Unilassal. Comment vous est venue cette idée de faire ce suivi, de proposer ce service? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. On est deux cofondateurs, et c'est mon associé Vindicien Delcourt, qui est agriculteur, qui a longtemps stocké du grain, qui est administrateur de coopérative et de négoce, qui connaît très, très bien ces problématiques de stockage, et qui a eu l'idée d'imaginer une solution globale aussi bien pour le stockage des agriculteurs que pour le stockage chez les organismes stockeurs, donc les coopératives et les négoces agricoles. Alors, on a bien compris que c'était une solution parfaite pour faire gagner du temps à l'agriculteur, mais également de lui garantir une qualité de stockage et de faire des économies. En fait, c'est une solution globale, en fait. Exactement. En fait, nous, on s'intéresse à tout ce qui est après la récolte, donc
en particulier le stockage, mais pas que, il y a d'autres choses. On parle de logistique, etc. Mais effectivement, au stockage, ce qu'on a constaté, c'est que les organismes stockeurs et les agriculteurs avaient du mal à créer de la valeur de ce côté-là, et surtout qu'ils avaient de plus en plus de contraintes, des contraintes réglementaires, des contraintes économiques, de moins en moins de personnel qui peut être formé sur les sites, ou alors des gens d'expérience qui s'en vont, et vraiment un besoin aujourd'hui de pouvoir optimiser le stockage, et ça, ça passe par le numérique, entre autres. Il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place aussi, mais l'objectif pour nous, c'est de les aider à recréer de la valeur en faisant des économies d'énergie, en allant vers le sans insecticide de stockage, parce que c'est une des vraies contraintes aujourd'hui, c'est qu'on parle d'interdire les insecticides de stockage. Or, quand on a des insectes dans du grain, on dit que le grain n'est plus sain, loyal et marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a pas le droit de le vendre. Comment on fait si on n'a pas de solution curative ? Ben, les solutions, elles sont préventives. Et c'est là que Javelot intervient, puisque l'objectif pour nous, c'est de refroidir l'état de grain de la manière la plus efficace possible pour éviter les développements d'insectes. Alors, j'ai noté, la solution Javelot permet parfois 90% d'économie d'insecticides chimiques. C'est ça, sur les zones de stockage, c'est impressionnant. Exactement. En fait, à l'échelle d'un organisme stockeur, on a réussi à constater qu'on baissait de 90% l'utilisation d'insecticides. C'est pas compliqué. 100% des grains étaient traités il y a de ça quelques années. Et on a réussi chez cet organisme stockeur, à l'échelle du négoce, sur 200 000 tonnes, à passer de 100% de grains traités à 10% de grains traités. Et encore, sur les 100%, il y avait parfois plusieurs insecticides. Donc ça, c'est la première chose. Et le tout, en allant vers des économies énergétiques. On sait que le contexte actuel fait que l'énergie coûte très très cher. Et on a réussi à baisser de 25% dans le même temps leur facture énergétique pour la ventilation. Donc, alors quand on fait ce constat, une fois qu'on prend en note toutes les données, on voit à quel point c'est un outil, une solution qui est idéale. Vous en êtes où aujourd'hui, au bout des 4 ans d'exploitation ? Il y a combien de solutions Javelot qui ont été déployées ? Sur quel périmètre vous envisagez ou vous êtes déjà installé ? Alors, on ne parle pas de nous tellement en nombre de capteurs, il y en a plusieurs milliers, je ne saurais même pas vous dire combien exactement. On parle plutôt en volume qu'on surveille. En France, on produit à peu près 70 millions de tonnes de grains, globalement. En Europe, c'est 300 millions. Aujourd'hui, on a équipé plus de 3 millions de tonnes de grains, donc on surveille 4 à 5% du stockage français, et très vite, on va arriver à 15-20%. On se rend compte qu'on a une demande qui est très très forte. On équipe des organismes stockeurs, pardon, de manière globale. On a plusieurs coopératives qui nous ont dit, bon, bah, maintenant, je vous confie 100% de nos silos, parce qu'on se rend compte qu'on arrive à faire des économies et à répondre au cahier des charges de nos clients, d'autant plus qu'ils nous demandent de la traçabilité. Donc c'est aujourd'hui plusieurs millions de tonnes qui sont stockées, et puis un plan de croissance qui est très très important avec des milliers de capteurs. Et surtout une offre qu'on étoffe au fur et à mesure. On a par exemple breveté assez récemment avec Arvalis un piège à insectes connecté qui va nous permettre de vraiment, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter le plus tôt possible les insectes pour éviter encore une fois de traiter, ou en tout cas le limiter au maximum, au même titre que ce qu'on pourrait faire au champ avec, on parle d'agriculture de précision, nous on travaille dans les silos pour aider, et c'est aussi une particularité, de l'agriculture de précision. Voilà, un exemple parfait d'innovation au service de l'agriculture de demain. On a une question de la part de nos internautes. Est-ce que Javelot ne concerne que le stockage des céréales ? Non, alors ce n'est pas que le stockage de céréales. Nous, on est spécialisé dans le stockage de grains de manière générale. Donc, il n'y a pas que les céréales. On parlait de colza tout à l'heure. Évidemment, on surveille le colza aussi. Il y a des gros enjeux là-dessus. C'est sûr que c'est une très, très grosse partie de notre marché aujourd'hui. Notre particularité d'ailleurs, c'est de dire qu'on n'est pas, par exemple, des fournisseurs de thermomètres. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être spécialiste, d'être expert dans le stockage de certaines denrées, et donc on est spécialiste sur les stockages de grains. On travaille sur d'autres denrées, on a beaucoup de demandes par exemple sur les pommes de terre, sur de la betterave rouge, on a eu des demandes sur le compost, etc. C'est des choses dans lesquelles on va, on travaille avec nos clients pour essayer d'accumuler ce même niveau d'expertise, mais aujourd'hui notre expertise est plutôt sur le stockage de grains de manière générale. Alors, on n'hésitait pas, hein, évidemment, continuer à poser des questions. Je sais qu'il y a eu des questions, notamment sur le projet Cypre. On essaiera d'y revenir, mais on essaie d'avancer, évidemment, pour qu'on puisse être dans les délais pour l'ensemble des temps forts qu'on vous a aménagés durant cet après-midi. Le point de départ de cette aventure, avec votre collègue, là, vous vous êtes dit, bon, voilà, on a une solution, on a fait le constat que ça peut être... Comment ça s'est passé ? Comment on est passé de l'étape de projet à l'étape réalisation ?
Alors, on a pu compter sur nos clients. En fait, à l'origine, le projet avait été plutôt pensé pour les agriculteurs, en se disant, bah, on pousse les agriculteurs à stocker, il n'y a pas forcément de solution pour eux pour surveiller leur stockage. Et donc, on avait imaginé cette solution pour eux. On est très vite allé voir les coopératives et les négoces, plutôt dans une démarche de distribution, parce qu'ils sont aussi distributeurs, au-delà d'être stockeurs. Et c'est là qu'eux nous ont dit, bah, attendez, les agriculteurs, c'est bien, mais on a aussi des problématiques dans nos silos, et ça peut nous intéresser que vous puissiez installer vos solutions dans nos silos. Et c'est comme ça que ça s'est fait. On a commencé à travailler avec eux, on a développé d'autres solutions, et puis on est arrivé sur cette approche globale, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec les organismes stockeurs, donc coopératives et négoces, mais pour plusieurs utilisateurs, d'un côté les agriculteurs, de l'autre, leurs silos en propre, en interne. De toute façon, le grain, il a la même finalité, il va se retrouver dans les mêmes silos à un moment. Et donc, nous, notre capacité, et on est les seuls à pouvoir faire ça, c'est vraiment d'avoir finalement une homogénéité, que ce soit le stockage à la ferme ou le stockage industriel. On arrive à rendre le même type de traçabilité et surtout la même qualité de conservation des grains. On voit à quel point l'outil technologique peut être un appui pour ces enjeux-là de l'agriculture de demain. Et ce qui me permet également de rebondir avec l'activité d'Osiris, avec Henri Desesquelles. J'espère que je prononce bien. À chaque fois, je me pose la question. Merci d'être avec nous. Alors, présentez-nous un peu ce que représente Osiris également et votre approche, votre aventure. Oui, bien sûr. Donc, nous, on est trois fils d'agriculteurs aujourd'hui. On a créé la société il y a environ 7 mois. Et Osiris, en fait, a pour but de porter un projet de robotique agricole appliqué aux cultures d'industrie. Donc, tout ce qu'on va retrouver sous forme de surgelés, de chips, de conserves, pommes de terre, carottes, oignons, haricots, épinards. Et en particulier à l'irrigation. Aujourd'hui, on automatise l'irrigation pour les agriculteurs, qui est une tâche très chronophage et qui aussi a de la marge de manœuvre pour être optimisée en termes de consommation d'eau. Alors, on a une vidéo que je vous propose de déployer, de regarder ensemble et que vous allez nous commenter tout en regardant cela en image. C'est parti. Tout à fait. Donc, là, on a une petite précision sur le fait qu'on veut vendre un service. Et là, on voit notre prototype aujourd'hui qui a tourné cet été. Donc ça, c'est un prototype qu'on a construit à trois, entièrement nous-mêmes, donc du design, la conception. Ça, c'est vraiment notre petit bébé, on va dire. Et donc, il a la capacité de suivre une trajectoire GPS, d'arroser sous la végétation pour vraiment être très précis, d'arroser de façon très précise pour viser jusqu'à 30% d'économie d'eau par rapport à ce qui est fait aujourd'hui avec les canons en rouleur, ces grosses bobines de tuyaux qui envoient de l'eau en l'air. Et puis, voilà, un fonctionnement un peu particulier qui nous a permis d'ailleurs de breveter la machine pour vraiment optimiser la trajectoire dans le champ. Et puis, être capable de, bah voilà, d'arroser, d'apporter le maximum de valeur aux agriculteurs. Donc on l'a bien compris, hein, l'idée, contrairement à ces canons à eau hein, qu'on voit répartir l'eau, là c'est d'aller mettre l'eau en bonne quantité, au bon endroit, avec la bonne mesure. Donc il y a un atout environnemental, il y a une vraie notion d'économie également, financière également pour l'agriculteur en question. C'est un vrai projet, vous en êtes où? Alors là c'est le prototype, on va rappeler que vous êtes incubé chez Itera actuellement aussi pour cette aventure. Ça fait combien de temps que vous avez démarré l'aventure? Alors ça va faire un peu plus d'un an et demi puisque je l'ai commencé en parallèle de mes études en dernière année à Centrale Spélec. Et puis du coup je suis à temps plein dessus depuis mars 2020 et mes associés m'ont rejoint en septembre. Donc voilà, c'est un peu le moment où on s'est lancé vraiment à temps plein, tous les trois. Et puis ça correspondait aussi à l'incubation chez Itera qui a commencé un peu plus tôt. Mes associés, eux, étaient chez Euratechnologie, donc une collaboration entre les deux incubateurs des Hauts-de-France sur ce projet. Alors justement, ça vous apporte quoi d'être incubé, d'être accompagné de cette façon-là? En quoi ça a été, c'est une force pour votre projet? Pour nous, il y a eu vraiment deux choses. Mes associés ont des profils très techniques de base, donc déjà il y a eu quand même ces connaissances pour monter l'entreprise. Malheureusement, juste être ingénieur ne suffit pas, juste avoir une bonne idée ne suffit pas. Donc il y a eu ces connaissances-là dans l'incubateur. Et puis ensuite, il y a eu l'exposition à la fois à un réseau d'entrepreneurs qui est très motivant, et puis à tout l'écosystème régional. Et là, il y a vraiment du soutien, mais quand on est tout seul et qu'on arrive et qu'on a 25 ans, une idée et on a envie de le faire, de temps en temps, ça bloque un peu. Donc là, l'incubateur vraiment est un accélérateur sur ce point-là et ça permet de décoller, d'aller beaucoup plus vite. Alors d'ailleurs, vous avez en des perspectives de financement désormais de la BPI, de l'Union européenne. Il y a des projets qui sont en cours. Expliquez-nous un peu l'aventure qui continue. Oui, tout à fait. Alors, on a une startup qui est qualifiée de deep tech par BPI, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de développement technique et, comme disait Gilles de Jungle, on est capex intensive. Donc, ça veut dire qu'on consomme beaucoup de capital. Et donc, on a eu une subvention de la BPI pour
au début de la société pour justement réussir à créer la fin de notre prototype, puis en créer un nouveau pour l'année prochaine, beaucoup plus industriel. Et puis, on a aussi postulé à une subvention européenne donc du programme H2020, qui se termine maintenant, mais qui sera relayé par d'autres programmes. Et là, on travaille avec une entreprise belge et une association de 100 producteurs de pommes de terre pour justement créer aussi un nouveau robot de façon industrielle, embarquer le capteur de cette entreprise belge qui permet de scanner le sol pour connaître l'humidité en avançant, et puis embarquer cette association de producteurs pour faire un test comparatif des techniques d'irrigation. Et donc, réussir à montrer des chiffres, j'espère, aussi impressionnants que Javelot, en termes d'économie d'eau, en termes d'économie de temps de travail, et puis en termes de logique économique derrière, on va pas se mentir, c'est la clé pour les agriculteurs. La robotique, ça fait souvent peur sur ce point-là. C'est pour ça qu'on veut vendre une prestation de service et pas le robot, pour que les agriculteurs ne soient pas les seuls à porter le coût de la machine. Donc c'est aussi une de nos innovations. Il y a l'innovation technique du robot, et l'innovation modèle économique du service. Alors, quand on avait échangé ensemble, j'ai noté que vous étiez encore un peu en recherche éventuellement de partenaires pour continuer l'aventure. Donc, quand on est une start-up, on peut laisser le message aussi. Ah oui, totalement. Aujourd'hui, nous, on a été créé il y a 7 mois. On va clôturer notre premier bilan à la fin de l'année. Des partenaires, que ce soit financiers, mais aussi industriels, hein, parce qu'on a une grosse machine à créer, à réussir à industrialiser, à faire passer à l'échelle. Donc là-dessus, il y a des choses très intéressantes. Et puis, on pose aussi notre robot comme une plateforme pour l'ensemble des technologies qu'on pourrait déployer sur ce type de machine. Donc tout ce qu'on va appeler smart farming ou des nouvelles technologies de lutte. On est tout à fait à la recherche de partenariats pour pouvoir apporter le maximum de valeur aux agriculteurs. Finalement, c'est ce qui nous anime. 3 fils d'agriculteurs, donc il y a vraiment ce côté-là qui est très important. Est-ce que les parents vous suivent là? Ils sont avec nous peut-être en ligne ou pas? Non, ils sont pas là, je les ai pas prévenus, j'attendais de voir ma prestation. ils regarderont le replay après. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas sur la start-up. Hein, ça y est, le prototype existe. On peut imaginer un déploiement réel, commercial, à quelle échelle? Alors l'année prochaine, on aura 2 robots dans la campagne, dont un qu'on cherche à commercialiser même sur un prix de test. Et puis en 2023, l'objectif, c'est d'avoir ces premières tractions commerciales avec une 10aine de robots espérés dans les Hauts-de-France. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes derrière vos écrans, à la maison, au bureau ou dans vos champs, hein, même avec les téléphones, vous pouvez participer avec l'onglet questions sur LiveStorm. Et si vous êtes en salle, faites-nous un signe, avec grand plaisir, on vous laissera la parole pour poser la question. On avait encore une question, je ne sais pas, sur Cypre, peut-être avant de passer au projet, au temps fort suivant, n'hésitez pas à me la faire apparaître sur l'écran en question. Vous l'aviez en tête, allez-y, je vous en prie. C'était vis-à-vis de la durabilité, que Cypre reposait pas mal sur l'agroécologie aussi, sur les principes de l'agroécologie. C'est vrai qu'au niveau agroécologie, on peut mettre beaucoup de choses dedans au niveau agricole. À peu près tout ce qui innove un peu en agriculture peut se retrouver là-dedans. Et c'est souvent basé sur les piliers de la durabilité. Donc la partie sociétale, environnement, économique s'y retrouve sans plus aucun problème. Voilà, merci pour ce complément sur l'ensemble des questions. Vous avez été nombreux à participer à l'ensemble des questions tout au long de ce premier temps fort. On vous a bien démontré qu'à travers des étudiants, des instituts, des entreprises et des startups, on avait à travers l'ensemble de ces profils la possibilité de trouver, d'innover pour l'agriculture de demain et surtout de produire mieux avec moins. Merci beaucoup, messieurs, madame, mademoiselle, d'avoir participé avec nous à ce premier temps fort. Alors, dans un instant, on va profiter du prochain temps fort, c'est-à-dire comment accroître son autonomie, reprendre de la maîtrise sur son travail, sur l'agriculture, sur son temps. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on innover dans ce domaine? Eh bien, c'est bien à cela à quoi on va s'atteler d'ici quelques instants avec le temps fort numéro 2. C'est parti. Alors, retrouver de la maîtrise, accroître son autonomie. Dans un instant, on va accueillir l'ensemble des participants à ce nouveau temps fort. En attendant, je vous propose de découvrir l'un des partenaires qui a préparé cette journée lors des rencontres de la recherche et de l'innovation. Tout à l'heure, on a parlé de Rêve Agro. Eh bien, je vous propose de découvrir la plateforme Agri du futur. Cette plateforme que je vous invite à découvrir en images. C'est parti. Thank you.
Voilà, je vous rassure, quand vous voyez les adresses, les différentes adresses qui sont à chaque fois, à chaque vidéo, vous avez tous les liens qui vous attendent sur le site sur lequel vous êtes inscrit, évidemment, pour assister à cet après-midi, le site des rencontres de la recherche et de l'innovation, pour retrouver, y compris le lien de cette plateforme pour l'agriculture, plateforme agriculture du futur. Avec moi sur ce plateau, sur le thème « Retrouver la maîtrise et accroître son autonomie », nous avons Bertille Denacar, vous êtes chef de marché gestion commerciale chez Isagri. Nous avons Paola Kupervisor, j'espère que je prononce bien. Ouais, ça va ? Non ? Presque, en tout cas. Ouais, c'est presque ça, c'est Paola et Kupervisor. Ah, voilà. Je vais dire Paola Kupervisor. C'est bon ? Bon, super. Vous êtes chargée de développement chez Agricoli. Merci d'être avec nous. Grégoire Leleu, vous êtes agriculteur de la Guette Saint-Gérard et Ferme au goût. C'est la marque qu'on va retenir aujourd'hui. Pierre-Louis Lambert, vous êtes agriculteur également. On va retenir la marque Ferme Fabrique. Et Paul-Marie Anne, vous êtes responsable d'exploitation. Alors, elle pleuve pas ? Ah oui, c'est ici. EPL, EFPA des Flandres. Ah, on prononce, hein, EPL, EFPA des Flandres. On va découvrir cela ensemble. Avant tout, on va d'abord vous poser une question. Bicast, on va remettre le QR code afin que vous puissiez vous connecter. On a une question qui est réservée pour vous et sur laquelle je vais vous faire réagir, évidemment. Alors, je vous laisse le temps d'abord de vous reconnecter avec votre téléphone, de bien prendre le temps de scanner, logiquement, juste une photo, un scan, hein, tel qu'on sait faire. Sinon, vous avez directement l'adresse, l'URL www.bicast.live/OV3F. Il y a un petit code de session, vous retrouvez sur la session de cet après-midi pour participer avec nous et répondre à l'ensemble des questions sondage. On vous reste encore quelques instants pour pouvoir éventuellement vous retrouver. Je vois que vous êtes encore nombreux, y compris dans la salle, à sortir les téléphones. On va vous laisser le temps de le faire. Voilà, superbe. Voici peut-être pour vous la question qui va arriver. Je prends un peu d'avance, hein. Ah, bah, elle a déjà été proposée et on voit déjà pour vous. L'autonomie en agriculture, c'est quoi ? Là, d'après vous, c'est quoi l'autonomie en agriculture ? Alors, ça a déjà démarré. Pour ceux qui avaient déjà téléchargé ou déjà sur la plateforme pour pouvoir répondre, on voit des grands mots qui apparaissent. Économie, autoconsommation, responsabilité, maîtrise de l'eau, liberté. Il y en a qui en profitent pour parler de ferme fabrique. Ils ont bien raison. Écologie, maîtrise. Virtuosité, ça bouge beaucoup, hein. Évidemment, plus vous utilisez le même mot, plus il grandit. C'est le principe du nuage de mots-clés. Alors, justement, je vais poser exactement la même question, juste avant de présenter ce que fait chacun. Bertille, je vais vous laisser, Bertille Denacar, vous auriez répondu quoi, vous, si c'était pour vous l'autonomie en agriculture, c'est quoi ? Alors, je pense que le mot indépendance est bien adapté. Il y avait aussi le mot digitalisation qui correspond à cette tendance. C'est important pour un agriculteur, pour gagner en autonomie, qui se digitalise. Et voilà, je pense que c'est vraiment les mots-clés et on propose des solutions qui vont dans ce sens-là avec la société Isagri. Ah, on va découvrir cela. On va remettre le nuage de mots-clés, si c'est possible, en régie. On va poser la même question à Paul-Marie-Anne pour le PLE FPA de Flandre. Donc oui, l'indépendance est un beau mot aussi, la maîtrise. Et moi, j'aurais rajouté aussi la gouvernance. On l'évoquera tout à l'heure, mais voilà. La gouvernance. Alors, on retient quelques mots, hein, on peut l'ajouter. Je vais exactement poser la même question à Paola Kupervisor d'Agricoli. Moi, je vous rejoins aussi tous les deux sur le côté assez indépendance des exploitations. Et j'aime bien aussi le mot sérénité, parce que je pense que quand on est autonome et qu'on s'en sort, après, on vit une vie plus sereine. Ah, bah, on va retenir aussi. C'est intéressant, hein, de voir vos points de vue. Le même exercice pour Pierre-Louis Lambert, qui est à côté de moi. Hein. Moi, je trouve que le mot ferme fabrique est bien choisi. Oui, c'est pas mal pour faire un petit coup de pub. Mais non, je pense que indépendance, ça s'y prête plutôt bien dans le sens où voilà, le fait de rester maître de ses productions, de sa commercialisation, pour moi, c'est une des clés aussi de l'agriculture de demain. Alors, je ne sais pas si c'est un fait exprès, mais on vous a mis tous les deux agriculteurs l'un à côté de l'autre. Grégoire Leleu, qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi Oui, bah, c'est bien résumé. C'est surtout, je pense, la maîtrise de ses charges, de ses produits, de voilà, pouvoir valoriser ses produits et maîtriser son prix de vente.
Vous diriez maîtrise, hein, ouais, si on veut, hein, si on veut reprendre un peu d'indépendance, de l'autonomie en agriculture. Eh bien, on va découvrir un peu à travers le travail, vos démarches à chacun, un peu comment vous offrez la possibilité d'accroître, je vais y arriver, de l'autonomie aujourd'hui sur l'activité agricole. Et vous, Isagri, vous avez réfléchi à plusieurs solutions. Alors, présentez-nous ce que représente Isagri aujourd'hui. Vous êtes probablement le leader, au moins européen, de votre domaine d'activité. Alors, pour celles et ceux qui vous ne connaissent pas encore, présentez en quelques mots Isagri. Alors, Isagri, au départ, ça a été créé à Unilassal, donc on en a pas mal entendu parler cet après-midi. Donc, c'est une société qui a été créée par Jean-Marie Saval en 1983. Aujourd'hui, c'est quand même 2500 employés et on est présent dans 13 pays européens. Donc, la problématique de base, c'était comment accompagner les agriculteurs et les gestionnaires d'exploitation agricole dans la gestion de leur comptabilité. Donc, c'est vrai que c'est des tâches qui sont chronophages, qui demandent une expertise, qui demandent un suivi, un respect de la réglementation. Donc, voilà, c'est vraiment des problématiques auxquelles sont confrontés tous les agriculteurs d'aujourd'hui. Et donc voilà, Isagri aide les agriculteurs dans ce sens-là en proposant des logiciels de saisie et d'accompagnement. Donc au départ, c'est parti de la comptabilité et au fur et à mesure, ça s'est élargi à différents cœurs de métier. Donc il y a la paye, la comptabilité, mais également la gestion de troupeaux, la gestion parcellaire qui sont vraiment au cœur du métier de l'agriculteur et c'est pourquoi un agriculteur... Alors, je vais vous demander tous de bien positionner le micro pour que tout le monde puisse profiter. Oui, c'est des solutions complètes, hein, à la base des solutions de compatibilité, comptabilité, et puis des solutions qui aujourd'hui, on s'occupe vraiment de solutions techniques, y compris sur les champs, gestion parcellaire, enfin, c'est très large. Donc aujourd'hui, on peut faire gagner, grâce à toutes les solutions Isagri, beaucoup de temps auprès de celles et ceux qui nous écoutent, qui sont agriculteurs dans les champs. Alors, on va se préoccuper parce que vous êtes plutôt sur la partie marché, gestion commerciale. Et donc aujourd'hui, ben, on l'a vu avec la crise sanitaire, on s'approche de plus en plus directement au circuit court des agriculteurs. Il faut avoir plusieurs casquettes, hein. C'est un vrai métier de chef d'entreprise. Donc on découvre tout ça. Et vous avez créé des outils qui permettent justement de faire face à l'ensemble de ces besoins. Exactement. Alors oui, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on l'a vu notamment, il y a eu un gros boom de la vente directe. Et donc, bah, on propose, c'est vrai, des logiciels pour aider les agriculteurs dans cette vente directe au quotidien. Donc, c'est des solutions de caisse, des solutions de gestion commerciale pour s'assurer de respecter la réglementation et au quotidien de pouvoir gagner du temps, éviter les ressaisies, saisir automatiquement et renvoyer directement dans les logiciels de comptabilité et faire des liens en fait avec tous les partenaires des agriculteurs. Donc, ça va être les comptables, voilà, pour leur transmettre les données et ainsi gagner du temps qui est quand même très précieux en ce moment. Voilà, c'est des outils extrêmement simples d'utilisation, extrêmement bien travaillés. Aujourd'hui, vous avez eu vraiment un écho suite à la crise sanitaire de ces demandes, cette démarche. Combien on sait que dans la région, par exemple, de solutions ont été installées ou dans l'usage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement acquis de pouvoir utiliser un outil numérique pour pouvoir vendre directement la ferme, par exemple? Ah bah oui, complètement. Ça sert à gérer ses stocks, ça sert à assurer son suivi comptable, ça sert vraiment au quotidien et c'est un incontournable. Alors, il y a la réglementation qui joue là-dessus, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tenir des factures sur Excel, donc c'est soit sur papier, soit dans un logiciel qui est vraiment certifié. Voilà, il y a vraiment eu une grosse tendance avec la vente de proximité lors de la crise du Covid et c'est vraiment une tendance qu'on voit qui continue et c'est vrai que les agriculteurs se sont vraiment beaucoup équipés et on a eu une belle vague de progression pendant le Covid et ça continue et ça reste ancré dans les habitudes de consommation. Alors, c'est pas pour rien, évidemment, qu'on parle de législation, puisqu'il faut que on passe tous le cap, que les agriculteurs passent ce cap-là pour être conforme à la législation si jamais ils vendent directement à la ferme. On a besoin d'une solution soit numérique, soit papier, qui soit bien une solution concrète. Oui, complètement. C'est vrai que la réglementation, c'est un grand volet et qui pèse de plus en plus.
On l'a vu notamment, là, il y a eu la dématérialisation pour les ventes aux collectivités locales. Donc, pour toutes les factures des collectivités locales, il faut passer par le portail Chorus Pro. Et donc, ça concerne tous les agriculteurs qui vendent aux collectivités locales. Et c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, mais qui va arriver et toucher vraiment tous les agriculteurs. Dès demain, parce que la réglementation évolue très vite et arrive et touche aussi les agriculteurs. Alors, c'est une façon, quand on parle de retrouver de l'autonomie, d'accroître évidemment ses capacités quand on est agriculteur, d'avoir un logiciel qui permet de faire gagner du temps, d'être bien conçu, d'être en lien avec son marché, hein, si on travaille avec les collectivités. Alors, je ne sais pas, j'ai affaire à deux agriculteurs, sans que ce soit concurrent ou que ce soit Isagri. Je suppose que vous êtes accompagné de solutions. Quand vous vendez directement à la ferme les chips Ferme Fabrique, par exemple, vous avez dû réfléchir à une solution technique aussi pour être conforme à la législation. Alors oui, il a fallu se conformer à la législation. Après, nous, on ne vend pas directement à la ferme. On passe par des réseaux de distributeurs partenaires, donc qui sont, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais des magasins de producteurs ou des canaux de distribution spécialisés type épicerie fine, etc. Donc on ne vend pas directement à la ferme aujourd'hui. En revanche, oui, il y a tout un ensemble d'outils qui sont obligatoires. Alors Isagri en fournit une partie, il y en a d'autres aussi, mais oui, qu'on utilise aujourd'hui. De un, pour être dans la règle, et de deux aussi pour gagner du temps et un maximum, toutes ces opérations sont digitalisées le plus possible. Quoi. Le digital aussi, ça vous permet de gagner du temps au quotidien ? Oui, nous, ça nous a permis effectivement d'être dans les règles. Être dans les règles, ça fait partie du boulot. C'est un outil, hein. C'est un outil vraiment qui est pratique, qu'il soit chez Isagri ou chez un confrère. Mais voilà, on est obligé de se mettre dans les normes, c'est plus ça. Hein. Enfin, on le ressent presque comme une contrainte, parce que voilà, c'est encore une fois de plus l'administratif. Mais l'outil permet peut-être de gagner du temps quand on le maîtrise et quand il est bien conçu. Alors voilà, ça c'est une bonne solution. Alors j'ai des questions qui viennent d'apparaître. Alors je vais essayer de vous l'aborder exactement de la même façon. Je la lis avec vous. En prenant en compte le niveau de formation et d'équipement des agriculteurs, est-ce qu'ils sont tous ouverts à l'adoption d'outils numériques pour gérer leurs activités support ? Quels sont les freins à l'adoption de ces outils ? Je vous laisse répondre. Oui. Alors, est-ce qu'ils sont tous ouverts à l'adoption des outils ? Non, parce qu'il y en a qui sont contre le numérique, il y en a qui sont pas qui sont pas très à la pointe de la technologie, il y en a encore qui n'ont pas d'ordinateur, pas de smartphone. Donc voilà, forcément, on touche pas tous les agriculteurs. Par contre, ça arrive de plus en plus, et de plus en plus, il faut fournir des certificats comme quoi, lorsqu'on respecte certaines certifications, il faut pouvoir apporter des preuves, des choses comme ça. Donc en fait, il y a vraiment des obligations qui arrivent pour les agriculteurs, et donc pour lesquelles il faut y aller, et ils n'ont pas le choix. Et donc les freins à l'adoption de ces outils, donc ça peut être un premier frein sur eux, c'est un investissement en temps, un investissement financier. C'est pas le cœur de métier d'un agriculteur d'être informaticien, mais ça, c'est vraiment à prendre en compte dans l'environnement. Donc voilà. Alors, je pourrais poser exactement la même question. C'est une question qui peut très bien aussi ici à l'activité d'agricolier. On va peut-être l'expliquer un petit peu, évidemment, parce que c'est aussi un projet complètement incroyable. Alors, je sais qu'on a une vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la vidéo avant pour présenter agricolier, ou vous voulez qu'on en parle un peu avant ? Oh, c'est comme vous voulez, on peut faire les deux. Je ne sais pas si elle a du son ou pas, la vidéo qu'on vous a. On va aller voir. On vous a préparé une vidéo pour présenter l'activité d'agricolier. C'est parti en images. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, agricolier, on est un réseau de relais colis dans les fermes. Donc, on pourrait se comparer à des fleuristes qui, par exemple, vont réceptionner une des colis pour autrui. Des relais colis. Sauf que chez nous, on n'est que sur l'année du volume dernière, il y en a eu 1,5 milliard de commandes passées comme ça en France. Plus de 50% de nos clients retiennent et choisissent, au moment d'une commande de gros produits, la livraison en point retrait.
à Los Angeles, Yannick Hézard, Vincent Balaneda. Ce matin, après le traditionnel tri de la production, c'est l'heure d'une livraison un peu spéciale. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller récupérer votre colis. Fini le casse-tête des livraisons à domicile. Chaque personne qui vient chercher son colis peut aussi en profiter pour acheter des produits locaux dans la petite boutique de l'exploitation. C'est là que David est doublement gagnant. Un client sur trois pousse la porte de sa petite boutique de produits fermiers. Je suis plutôt adepte du circuit court en général. Je ne savais pas qu'il y avait ici des ventes de fruits et légumes. Anne-Marie a passé commande sur le site Cdiscount il y a deux jours. Et en plus, il nous le charge. C'est que du bonheur. Une fois que c'est enregistré, le client reçoit un SMS sur son téléphone comme quoi c'est arrivé. Et jusqu'à présent, pour la marchandise XXL, le site proposait principalement la livraison à domicile, facturée très cher. Les choix de livraison, ça nous coûte 9,99€ en livraison en relais. Ça s'appelle donc Agricoli. Super idée. Ça permet pour nous agriculteurs de rentabiliser un petit peu la surface du mètre carré. Je trouve l'idée très très bonne. Grâce à Agricoli, le revenu qui nous dégage nous a permis d'embaucher notre apprenti. On a plus de 150 relais actifs en France. Notre ambition est d'en avoir plus de 200 d'ici fin novembre. C'est validé, il commencera à recevoir ses premiers colis dans les prochains jours. Alors c'est incroyable, on voit cet exemple très bien fait, hein. Le reportage, vous avez été ô combien remarqué sur le journal du 13h de TF1, attention du peu. On comprend bien la démarche d'Agricoli et on comprend, alors quand on se dit ça fait peut-être pas gagner du temps, mais ça permet d'avoir de l'autonomie davantage par rapport à toutes les filières. Ça ouvre une nouvelle filière pour les agriculteurs et ça fait venir également des consommateurs chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez dans quelle proportion on a entendu des chiffres comme 1 sur 3 qui va rentrer dans une boutique? C'est ça, ouais. On est un peu plus que ça aujourd'hui même, parce qu'aujourd'hui, sur nos relais, ils font en moyenne 120 colis par mois. Donc 120 colis, ça veut dire 120 personnes qui viennent chercher sur l'exploitation. Donc comme quand on a une boutique de vente directe, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a 70% des gens qui s'arrêtent, qui viennent consommer des produits du coup de la boutique de vente directe. Et derrière, sur ces 70%, on en a 30% même qui reviennent et qui deviennent des clients fidèles. Donc on a même certains de nos agriculteurs qui ne vendaient pas du tout de produits en direct de base, qui se sont dit, à force d'avoir les questions des consommateurs, bah, vous n'avez pas un sac à patates avant, un sac de patates, pardon, ou des œufs, et qui au final ouvrent une boutique de vente directe spécialement pour les consommateurs de colis, en fait. Alors, le but du jeu, c'est pas de transformer évidemment toutes les fermes en livraison, mais c'est bien une activité complémentaire qu'il aurait proposée et une façon pour eux d'également de ramener des consommateurs directement à la ferme. Mais par contre, il faut s'acculturer un peu du numérique aussi, du digital, pour reprendre la question de nos internautes. Est-ce que c'est facile de convaincre auprès des agriculteurs de passer à cette solution numérique digitale? Est-ce qu'ils sont tous prêts, pour reprendre la question de notre internaute? Alors, ils sont prêts, ça dépend. Quand je suis sur le terrain, en général, ça leur fait un petit peu peur. Nous, on a développé nous-mêmes une application, en fait, qui nous permet d'avoir une traçabilité des colis de l'arrivée dans nos relais jusqu'au départ vers chez les consommateurs. Et donc, en fait, la seule chose qui suffit, c'est d'avoir un smartphone. Même à ça, parfois, je ne vous cache pas que quand on arrive, il y a des agris qui n'ont même pas de smartphone. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on en prête et on forme les relais pour l'utilisation de notre application qui est optimisée pour leur faire gagner du temps et que ce soit le plus simple possible. Le volet formation, c'est un peu essentiel, hein. Je suppose que chez Isagri aussi, vous accompagnez, il y a une formation par rapport aux solutions que vous apportez, c'est essentiel également, je suppose, pour que ça fonctionne, hein, pour que le service soit complet. Oui, complètement. Ça marche pas. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Oui, complètement. Et c'est des agriculteurs relais qui forment en fait les autres agriculteurs et ça permet vraiment d'avoir l'expertise terrain et ils connaissent très très bien l'environnement dans lequel ils évoluent. Et donc, ils proposent vraiment des solutions et du paramétrage qui est bien adapté selon le besoin de l'agriculteur qui est formé. Alors, je reviens sur la solution Agricoli. On a vu dans les vidéos, hein, vraiment cet esprit success story, une commande sur Cdiscount qui est arrivée. Aujourd'hui, on peut donner l'état des lieux, vous en êtes de l'entreprise? Oui, bien sûr. Donc, Agricoli, c'est un projet qui a été imaginé en 2018 par Cédric Guyot et Guillaume Bélissant, du coup, qui sont basés dans les Hauts-de-France. On a monté le projet et ouvert nos premières fermes relais en février 2019. Et donc, depuis ce temps-là, aujourd'hui, on a plus de 200 fermes actives partout en France. On vient de reverser le 2e million d'euros à nos agriculteurs partenaires et on fait 300 000 colis presque par an.
C'est incroyable, 300 000 colis par an, deuxième million d'euros reversés aux agriculteurs. Le point de départ, est-ce que vous savez comment, quand on a eu l'idée, les créateurs ils viennent du milieu de l'agriculture ou plutôt du retail? Non, plutôt du retail. L'idée, en fait, c'est juste un week-end de barbecue, si je peux dire, où on avait commandé un salon de jardin sur un site de e-commerce et on a voulu se faire livrer le salon de jardin à la maison. Donc, le transporteur appelle en disant « on sera là jeudi entre 8h et 18h ». Et en fait, ben, on s'est retrouvé sans salon de jardin le week-end parce que le transporteur n'est jamais passé. Et donc, on s'est dit « bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qui on pourrait aider ? Qui on pourrait trouver ?» Et l'avantage justement des agriculteurs, c'est qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour faire l'activité, à savoir une zone de stockage. Nous, on va valoriser ce qui n'est pas utilisé. Ils ont les moyens de manutention nécessaires pour décharger les camions et faire les remises de colis aux consommateurs. Et ils ont un petit peu de temps à nous consacrer, du coup. Alors, et l'aventure, comment s'est montée entre l'idée du projet et la réalisation ? Est-ce que vous avez été accompagné ? Est-ce que vous avez pu profiter de voilà. J'ai noté que vous aviez été pendant un moment chez Euratechnologie, c'est ça hein ? Vous êtes passé par l'accélérateur F3 aussi pour pouvoir développer l'activité. Pour vous, c'est important d'être accompagné, de faire profiter d'un réseau ? Ah ben, je pense que oui, c'est indispensable, même parce que ça permet aussi de grandir en tant que start-up, que d'entreprise, et de prendre le meilleur chemin possible, je pense, pour arriver plus tard à être rentable et à pouvoir continuer l'aventure. Alors, c'est une belle aventure, parce que vous avez été récompensé il n'y a pas très longtemps, hein, au plus grand salon de la logistique en France, hein, c'est le SITL, c'est ça ? Exactement. On a gagné le prix de service logistique et innovation, du coup. Voilà, bah, bravo, belle réussite. Vous êtes à combien de personnes aujourd'hui à travailler pour Agricoli ? Une dizaine. Une dizaine de personnes. On a surtout 200 agriculteurs qui travaillent avec nous partout en France. Alors, on a vu hein, dans le sondage qui a été fait au tout début, on a des agriculteurs qui nous suivent. S'ils ont envie de participer à l'aventure d'Agricoli, comment font-ils ? Alors, du coup, il faut aller directement sur le site agricoli.com dans la rubrique Devenir relais. En fait, vous vous inscrivez, vous nous donnez un petit peu les informations dont on a besoin. Derrière, on a Stécie qui est chargée des opérations, qui vous appelle pour faire un premier contact. Et moi, je me déplace sur toutes les exploitations inscrites et candidates pour voir si l'exploitation, elle se prête à l'activité colis et commencer les premières démarches. Et puis après, c'est parti, on y va. Là, on a vu un des partenaires qui est Cdiscount. Est-ce qu'il y en a d'autres en perspective ? C'est ça, Cdiscount, c'est notre partenaire historique. Du coup, on a commencé l'aventure avec eux. On a d'autres clients comme Côté Clôture, où on peut commander donc tout ce qui est pour son jardin. Butagaz, qui s'est aussi lancé dans l'aventure. Et en 2022, on aura de nombreux clients qui vont arriver suite au SITL aussi, justement, et à notre prix. Et encore une belle perspective en route pour cette aventure. Si vous avez des questions, hein, que ce soit en salle ou sur Internet, n'hésitez pas à évidemment partager vos questions sur la belle aventure Agricoli. On voit la question du digital, hein, évidemment, qui est au cœur hein, de soit d'accroître l'autonomie par rapport à son marché, hein, d'augmenter son marché, ou soit en gain de temps, tout simplement, pour les agriculteurs, pour le milieu agricole. On a deux agriculteurs qui sont avec nous, qui ont aussi imaginé un peu de la thématique de l'autonomie, de pouvoir développer son marché de manière autre et de pouvoir créer une indépendance par rapport à ça. On va reprendre les mots-clés du départ. C'est l'aventure que vous avez vécue, vous, Grégoire Leleu, à travers votre activité. Alors, racontez-nous un peu à quel endroit vous êtes implanté et quel est votre cœur de métier. Donc, du coup, nous, on est implanté là, ici, à la Porte d'Amiens. On est à Saint-Fucien, donc à quelques kilomètres d'ici même. Donc, on est une exploitation familiale. On a repris, mon beau-frère et moi-même, en 2015, les parts de notre mère sur l'exploitation. Une exploitation de 100 hectares, 40 vaches laitières. À l'issue de notre installation, on a voulu diversifier justement pour valoriser l'installation et pouvoir se dégager un revenu. Et pour valoriser cette exploitation-là, on a créé une activité de vente directe à la ferme en 2017. Voilà, il y a 4 ans. Cette activité vente directe nous a permis de transformer une partie de la production laitière en produits frais. On y fabrique aujourd'hui maintenant du yaourt, fromage blanc, riz au lait, crème dessert, fromage frais, pâte à tartiner, yaourt à boire, etc. Voilà, une belle gamme. De fil en aiguille, en fait, du coup, notre commercialisation s'est faite principalement de bouche à oreille. On a principalement
développer la partie de restauration collective au démarrage, donc pour s'assurer un volume minimum pour amortir nos investissements. Quand on s'est installé, on a reconstruit tout le bâtiment d'élevage ainsi que le laboratoire, c'est plus d'1 million d'euros d'investissement. Et donc, voilà, il a fallu assurer un petit peu nos débouchés. De nos collectivités, en fait, ce sont des partenaires de magasins en revente qui se sont greffés à nos activités et qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, c'est près de 75 livraisons par semaine dans toute la Somme, une partie de l'Oise et sur un bassin parisien de à peu près 25 magasins. Ouais, c'est toute la force de ce que dans votre activité d'agriculteur, c'est d'avoir créé une marque que vous distribuez pour garder votre autonomie. C'est une façon pour vous de créer, d'assurer un nombre de débouchés assez diversifié entre la restauration collective, mais également la distribution en magasin de vos produits, de votre marque Fermogoût. Hein, c'est le nom de vos yaourts. Il y a aussi du beurre, hein, je crois aussi. Non, le beurre, c'est de la revente. Mais... Ouais, c'est, ça reste. Mais, ouais. Mais du coup, ouais, Fermogoût, après aujourd'hui, il n'est pas utilisé. Fermogoût, en fait, c'est une marque qu'on a créée dès le début. Voilà, parce que ça, c'était notre côté un petit peu commerce et notre côté aussi envie d'avoir une identité, mais on n'utilise pas réellement aujourd'hui la marque Fermogoût. En fait, elle est connue un petit peu par nos clients, mais elle n'est pas utilisée commercialement parlant, et en tout cas, elle n'est pas aujourd'hui valorisée. On en a encore sous le pied pour cet outil-là. Ah, c'est que le début. C'est que le début. Voilà, cette marque, on va voir comment elle est connue. Aujourd'hui, nous, ce qu'on développe vraiment, c'est le produit de qualité. Voilà, un produit différent de nos confrères, dans un packaging complètement différent, des produits écologiques. Hein, on est sur un packaging carton. On essaie de se démarquer par rapport à ce qui pouvait se faire sur le marché. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre réussite, entre guillemets, se fait naturellement par la qualité de nos produits, de nos services. Et puis voilà, la création d'embauches aussi également sur l'exploitation. Ce qui était intéressant dans le fait de vous avoir avec nous, c'était de voir à quel point c'était important d'avoir plusieurs débouchés. Vous l'avez dit, quand on a préparé l'échange, quand la crise du Covid est arrivée, quand les restaurants collectifs, toute la restauration collective, elle s'est arrêtée, ça a eu fortement un impact sur votre activité, puisque c'était l'un de vos principaux débouchés. Et le fait que vous ayez imaginé la possibilité en amont d'avoir d'autres circuits de distribution, comme ces magasins un peu partout, même jusqu'à Paris, ça vous a permis de sortir quand même la tête de l'eau, de faire face à ce manque. Hein. Et d'ailleurs, vous avez constaté aussi les particuliers qui venaient directement acheter à la ferme, on m'avait dit ça a duré l'instant du Covid. Quoi. Oui, c'est bien résumé. Hein. Nous, c'était 70% de notre activité en collectivité. Hein. 70% du jour au lendemain qui s'est arrêté. On avait eu la chance de pouvoir développer quelques réseaux sur Paris un petit peu avant cet épisode, qui se sont développés naturellement et qui aujourd'hui nous permettent de, ouais, comme vous dites, de garder la tête hors de l'eau et surtout de faire face un petit peu à toutes ces fluctuations un petit peu de commerce. La période Covid nous a peut-être apporté un type de clientèle qui n'est pas malheureusement resté fidèle. Aujourd'hui, voilà, c'est de la remise en question de tous les jours dans le sein de l'activité, que ce soit la production, que ce soit au management, que ce soit la gestion de l'entreprise. Voilà, le principal nerf de la guerre, c'est la remise en question. Voilà, et ça, on peut le retenir parce que depuis le début, on parle énormément d'outils, de casquettes différentes que prennent davantage les agriculteurs. On va encore le voir de manière, on est vraiment en gestion d'entreprise davantage, et c'est ce qui permet d'ajouter de la valeur ajoutée à l'activité d'agriculteur, de prendre ces casquettes-là de chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Après, je pense que c'est naturel au sein du personnage. Hein. Nous, on est assez aventuriers. Voilà, on a envie de tester, on a envie de se développer. On est aussi propriétaire d'un magasin de producteurs qui est à Glizy au nom d'Esprit Fermier. On a ouvert également un nouveau magasin de trois producteurs à Saint-Fuchien qui s'appelle Aux Trois Fermes. Voilà, on est dans une démarche de projet collectif, beaucoup. À côté de ça, je suis président de la SAS Somme Produits Locaux. Donc, c'est une SAS de 73 producteurs où on démarche les collectivités pour vendre nos produits dans les écoles essentiellement. C'est près de 900 000 euros de chiffre d'affaires par an. Voilà. Et puis, chaque jour passe et chaque jour, on se développe. C'est une belle réussite aussi, ça montre à quel point quand on envisage ces marchés, quand on essaye de créer plusieurs canaux de distribution comme ici avec vous, on arrive avec la casquette d'agriculteur et de chef d'entreprise à se développer. Alors il y a une question qui est apparue, on va la garder de côté parce que je voudrais faire d'abord qu'on fasse connaissance avec l'activité de ferme fabrique. Là on parlait de garder de la plus-value sur l'activité d'agriculteur, c'est vraiment la démarche, le point de départ de votre démarche. C'est ça, oui, effectivement, c'est le point de départ de la démarche, c'est déjà mon installation sur une exploitation agricole dans le nord de l'Aisne,
donc entre Saint-Quentin et Cambrai, une exploitation familiale depuis toujours. Et en fait, voilà, l'idée, c'était pas de s'installer sur l'exploitation, reprendre ce qui a été fait depuis des années et voilà, sortir, aller un petit peu plus loin. Et moi, ma réflexion, c'était de partir des matières premières de base de l'exploitation pour aller plus loin dans leur transformation et créer une marque pour mettre en valeur des produits innovants, sains, bons et locaux. Voilà. Donc c'est ça le démarrage en fait de l'aventure Ferme Fabrique. Donc pour l'instant, on est parti sur un premier produit qui est une chips de blé qu'on voit. Alors on va la montrer. Prenez-la en main. C'est le moment de faire de. Ah voilà, on les voit super. Ces chips de blé. Vous pouvez nous ouvrir un paquet peut-être pour voir à quoi ça ressemble. L'idée c'était de partir d'une matière première agricole brute de base qui est le blé, qui est produit sur la plupart des exploitations agricoles de la région, et de la mettre en valeur en créant un produit à plus forte valeur ajoutée dans un contexte où, alors ça c'est une version à la betterave rouge et à l'oignon. Voilà. Dans un contexte ça où ça se fait pas, mais c'est très bon. Hein. C'est très bon. Ah, c'est parfait. Bon, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé forcément de. Non, c'est vrai. Ah, c'est sincère. Bon. C'est vraiment sincère. Et en fait, voilà, le contexte dans lequel je me suis installé sur l'exploitation agricole, c'est un contexte où, même pour des exploitations qui sont relativement saines, on a des marges qui se tendent de plus en plus d'année en année. Un cours de vente qui est un cours mondial, donc on ne maîtrise pas vraiment la commercialisation de ces productions. Et à côté de ça, des marges qui se tendent parce que des charges qui augmentent de plus en plus, de remise aux normes, des charges de machinisme, d'intrants, etc. Et moi, mon objectif, c'était de recréer de la valeur ajoutée à travers un projet où on valorise les productions de l'exploitation, qu'on soit plus forcément producteur de matières premières, mais qu'on transforme et qu'on aille chercher le client final. Et pour ça, il a fallu créer une marque. Alors, c'est pas une faute d'orthographe. Hein. Ferme Fabrique, c'est une faute d'orthographe réfléchie. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de mettre en avant le fait que les matières premières sont récoltées sur nos fermes, confectionnées dans notre fabrique. Voilà, donc on a effectivement notre logo qui s'affiche à l'écran. Bon logo, voilà. Bon pour vous et bon pour la planète. On a réfléchi sur toutes ces démarches parce que on l'avait dit, hein, la démarche est de récupérer de la plus-value sur l'activité agricole. Hein, on va aller de la fourche à la fourchette, mais vous avez fait ça de manière vertueuse aussi, une réflexion globale. Hein, on le voit même dans le packaging. Tout est réfléchi de façon à ce que ce soit vraiment dans l'air du temps. Oui. Alors le bon goût, déjà l'objectif. Dans un premier temps, c'était de faire un produit qui soit bon, qui plaise au consommateur tout en lui montrant que les matières premières qui sont produites juste à côté de chez lui, on peut en faire un produit fini qui est directement consommé aussi sur place et qui soit bon. Bon pour vous, la particularité de cette chips, c'est que c'est une chips de blé, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'elle n'est pas frite dans l'huile, donc elle est beaucoup moins grasse qu'une chips traditionnelle. 50-70% moins gras qu'une chips traditionnelle, et on a travaillé sur la formulation de manière à avoir un produit qui soit le plus clean possible, clean label on dit. L'objectif, c'est qu'en lisant la liste des ingrédients qu'on trouve dans ce produit, on retrouve tout ce qu'on peut trouver dans sa cuisine, donc de travailler que avec des ingrédients bruts et le moins transformés possible. Et puis après, bon pour la planète. Alors pour l'instant, j'ai beaucoup moins de recul que toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais pour l'instant, on est parti vraiment sur un marché local où on valorise des matières premières locales qu'on transforme et qu'on vend localement. Voilà. Donc c'était le côté bon pour la planète parce qu'on économise énormément de kilomètres de nos matières premières. Pour l'instant, on transforme très peu de nos matières premières, mais jusqu'à maintenant, elles étaient envoyées potentiellement à l'autre bout du monde. Là, on les consomme sur place. Alors même si tout a commencé, y compris dans l'exploitation familiale. L'entreprise Ferme Fabrique en elle-même, elle est incubée hein, chez Itera. Vous continuez cette aventure, ça vous permet de développer. Que peut-on dire sur cet accompagnement, ce que ça vous apporte et aujourd'hui, vous en êtes, j'ai du mal à imaginer la quantité, si on veut acheter des produits Ferme Fabrique, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où on en est aujourd'hui, globalement, en fait, on a lancé la marque il y a seulement un an, il y a à peine un an. L'idée, c'était de créer un atelier pilote et un marché test sur des canaux de distribution vraiment spécialisés. Et c'est à ce moment-là, à peu près, qu'on a fait la rencontre d'Itera, qui nous a énormément aidés. Et là, on est en train de finaliser vraiment ce marché test.
qu'on termine à la fin de l'année de manière à vraiment structurer à partir de janvier l'activité, industrialiser, embaucher aussi sur la partie commerciale, marketing, etc. Et c'est vrai que ça a été un vrai plus d'avoir Itera parce que ça nous a, comme disait Henri d'Osiris tout à l'heure, mis dans un écosystème d'entrepreneurs où vraiment chaque problématique qu'on peut rencontrer, même si on est dans des secteurs d'activité différents, on sait qu'il y a d'autres qui à un moment donné les ont rencontrés aussi, et ça nous permet d'aller aussi plus vite à résoudre certaines situations. Ça c'est la première chose, et l'autre chose aussi c'est que on a la chance dans la région Hauts-de-France d'avoir énormément d'organismes partenaires sur le financement, sur les techniques agroalimentaires. Je pense au CERCIA, je pense à Agrosphère, et l'intérêt aussi d'Itera, comme ils sont vraiment spécialisés sur ces métiers de l'agri et de l'agro, ça a été vraiment de nous mettre en relation avec ces acteurs. Et ça a été un vrai plus pour le projet, pour accélérer notre développement. Alors là, vous en êtes où dans le projet en question ? Et ben là, on termine notre phase de test. L'objectif, c'est de marcher test. Donc l'objectif, c'était d'atterrir à un équivalent 25 000 paquets, qui est pas suffisant pour que ce soit une activité qui soit vraiment rentable. Par contre, c'était une barrière, un cap à passer. Pour se dire, à partir de maintenant, on structure l'activité et on industrialise aussi, etc. Donc ouais. Ça, c'est la prochaine étape. Alors ça, c'est la prochaine étape à court terme. Et après, à moyen long terme, l'objectif de cette marque, Ferme Fabrique, donc à nouveau, on est que dans des canaux de distribution spécialisés. Pourquoi pas créer une autre marque qui soit spécifiquement dédiée et qui réponde aux attentes et aux règles de la GMS. Mais l'objectif de cette marque, c'est de pouvoir la mettre à disposition d'agriculteurs qui ont des beaux produits, Grégoire en parlait tout à l'heure, et qui parfois manquent un peu de visibilité. Et en face de ça, on a des magasins de producteurs notamment qui se développent énormément, qui ont besoin d'authenticité, mais qui n'arrivent pas à toucher, à aller chercher ces fournisseurs, parce que ces fournisseurs-là, ils sont très locaux. Donc l'objectif, c'est de pouvoir leur mettre à disposition cette marque pour que nos compétences marketing, commerciales, etc., pour que eux demain puissent aller plus loin dans le développement de leur projet aussi. Voilà, donc cet accompagnement, cette recherche éventuellement de partenaires, de faire grandir cette marque ou la nouvelle marque qui va arriver, ça vous occupe aujourd'hui 100% du temps aussi? L'objectif, c'était de se diversifier et de faire quelque chose en plus, parce que c'est une exploitation familiale sur laquelle je suis encore avec mon papa. Sauf qu'en fait, ça a été un des objectifs du marché test, c'était de voir comment ça se passe aussi vis-à-vis de la ferme. Et en fait, si on veut vraiment faire quelque chose d'ambitieux, on est obligé de s'y mettre à 100%. Donc le tout, ça a été aussi de s'organiser sur la ferme pour pouvoir être à fond vraiment dans le développement de cette marque Ferme Fabrique. Comment vous avez fait ça? Vous avez dû embaucher? Et notamment, on a dû embaucher. Voilà. Donc ça, c'était pas forcément prévu au début, mais voilà, ça fait partie du projet. Comme quoi, tout projet qui est facteur de créateur d'emploi aussi avec nous. Alors, je veux revenir sur la question de nos internautes. Alors, pour Ferme Fabrique, une question pour vous. Comment envisagez-vous de maintenir le même business model sur les plans économiques et écologiques tout en élargissant l'activité? Alors, c'est une très bonne question. Comment garder le même business model? Je pense que j'ai un peu partiellement répondu. Alors, c'est une des pistes de développement, encore une fois. Pour l'instant, on a assez peu de recul. On va dire que la chips de blé, c'est un peu, ce serait un peu la vitrine de Ferme Fabrique pour la suite. Mais l'objectif, ce serait d'avoir d'autres lieux de production avec d'autres agriculteurs qui mettent en valeur d'autres matières premières et leur mettre à disposition cette marque pour garder cet ADN de faire des produits qui soient bons, qui soient sains et qui restent locaux. Et une chose que j'ai pas dite aussi, c'est que dans les ingrédients de la chips au blé, on travaille en grande majorité avec des ingrédients qui sont en grande majorité des ingrédients de la ferme, des ingrédients locaux, voire nationaux. Voilà. Donc comment on se développe tout en gardant le même business model, c'est d'aller toucher, c'est une des idées, aller toucher d'autres agriculteurs, soit en région, soit au-delà de la région.
Voilà. Alors tout à l'heure, on avait une autre question de la part des internautes aussi. C'était en lien avec avec la période. Alors j'en profitais. Oui, on va reprendre dans l'ordre. En lien avec le Covid. Alors c'est posé à Agricoli, enfin tous, hein, puisque vous êtes tous en lien, y compris auprès de lycée agricole qui vous accompagne. Vous êtes tous en lien. Est-ce que vous avez reçu un impact, vécu un impact lié au Covid, soit positif, soit négatif. Je vais faire peut-être un petit tour de table. On va partir de Paula, d'Agricoli. Nous, on a été touchés, mais un petit peu comme tout le monde, je dirais. On a dû arrêter l'activité de nos relais pendant 3 semaines, au tout début des confinements. Après, derrière, on a quand même choisi de continuer l'activité parce que les gens étaient demandeurs de passer dans les relais et qu'on disait ça permet aussi, du coup, à nos agriculteurs et aux consommateurs de garder un lien avec quelqu'un, de faire venir les gens sur la ferme et de garder aussi ce côté circuit court qui est monté en puissance pendant le Covid, de pouvoir acheter directement chez le producteur et donner la parole aussi aux agriculteurs. Donc, nous, on a été impactés assez positivement. On aurait pu croire qu'au contraire, que tout le monde, pendant la période du Covid, allait acheter en ligne et que ça allait bénéficier à la livraison de colis. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Par contre, ça a permis de rapprocher davantage le circuit court, de développer le circuit court pour les agriculteurs qui étaient membres d'Agricoli. Alors pareil, on va parler du drive fermier qui est monté d'ici quelques instants. Mais est-ce que vous avez eu un impact par rapport au Covid? Est-ce que ça a permis d'augmenter l'activité du drive? Oui, plus qu'augmenter. Ça a été exponentiel. Pendant 3 semaines, on a fait x6, au minimum x6 sur le chiffre d'affaires de l'association des agriculteurs. Alors, Grégoire l'a dit tout à l'heure, par contre, c'est revenu totalement en arrière, toute cette plus-value-là des personnes qui sont venues, des particuliers qui sont venus, ils ont fait la démarche arrière. Aujourd'hui, vous êtes revenu sur les mêmes chiffres qu'avant Covid. Est-ce que ça a été constaté de la même façon chez vous? On a gardé un petit peu les clients, certains. On a fait une belle chute quand même par rapport au pic du Covid, du confinement. Mais on a quand même bénéficié de l'effet, on va dire, communication, de l'opportunité qui a été offerte par le confinement et par la crise. Ouais. Alors, je ne sais pas si du côté d'Isagri, on peut constater au niveau des équipements ou des approches, est-ce que l'effet Covid ça a poussé les agriculteurs à s'équiper justement pour pouvoir vendre en direct auprès des consommateurs? Oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a eu, c'est vrai, un bel engouement pendant le Covid et je rejoins les garçons, ça s'est bien calmé aussi, mais il y a quand même cette volonté de vendre en direct et pour, c'est ce que disait aussi Ferme Fabrique, de réduire un peu l'impact environnemental et d'aller chercher chez le producteur, quoi. Alors Grégoire Leleu, vous l'avez dit tout à l'heure, mais du côté de Ferme Fabrique, ça a boosté un peu. Est-ce que ça a permis les gens d'aller dans les magasins de producteurs? Là, on retrouve les produits Ferme Fabrique. Alors nous, c'est assez difficile à dire parce qu'on n'a pas énormément de recul. On est né pendant le Covid. Donc après, quand on discute avec les magasins, effectivement, c'est un peu l'avis de Grégoire. C'est-à-dire que beaucoup ont profité, notamment les magasins d'agriculteurs, de plus de fréquentation. Et en fait, ça a surtout été un moment où les gens se sont un peu plus recentrés sur ce qui se faisait autour de chez eux. Et ils ont plus regardé comment aussi changer leurs habitudes de consommation. Après, l'enjeu, c'est que ça réussisse à tenir dans le temps. Et nous, on essaie de répondre à cet enjeu en innovant et en proposant des nouveaux produits. Mais voilà. Alors, je vous invite à aller voir le site internet en question de la Ferme Fabrique qui est très bien fait avec votre associé qui s'appelle Antoine. Antoine, et lui, c'est Pilou sur le site internet Pierre-Louis Lambert. Belles initiatives. Et donc, il y a aussi un appel. Si on a des agriculteurs qui veulent devenir partenaires, qui ont des produits, on peut également se rapprocher éventuellement. C'est un petit peu tôt. Ils peuvent commencer par faire de la pub déjà, parler de nous, parler de Ferme Fabrique. Et par contre, oui, nous, déjà, on va élargir notre gamme de chips, on va dire. Et après, oui, effectivement, on viendra à ça, mais... Vous m'avez demandé les horizons moyen terme, donc c'est pour ça que je voulais ça. Alors, on les garde, il faut les garder d'un côté et les prendre en note. Je vous invite à découvrir, on a parlé très, très, de manière très rapide du drive fermier, mais de l'activité. Alors, quand on a la chance d'avoir un EPL EFPA, je vais essayer de bien le dire, des Flandres, on va dire c'est un lycée agricole qui est avec nous, qui est installé entre, vous avez 2 établissements, un Lom et un Dunkerque, et vous êtes directeur d'exploitation. Alors, expliquez-nous quel est votre métier, l'amplitude un peu de ce que représente le lycée agricole des Flandres.
Donc oui, ce nom barbare de Plefa des Flandres, c'est comme vous l'avez dit, un lycée agricole. Donc c'est un établissement de formation agricole publique. Donc il y a les trois voies de formation, le lycée classique voie scolaire, la formation par apprentissage et la formation continue pour adultes. Sur deux sites, Lhomme et Dunkerque. Donc voilà, globalement nos spécificités sur Lhomme et Dunkerque, l'île et Dunkerque, ce sont les métiers du paysage et de la nature, l'agriculture plus spécifiquement biologique, maraîchage, horticulture, et la commercialisation sur Lhomme. Voilà. Et il y a une exploitation, il y a une ferme. Moi, je suis responsable de la ferme de l'établissement qui est située à Lhomme, à côté de l'île. Principalement réorienté depuis 4-5 ans sur le maraîchage en agriculture biologique, la production de plants et la vente directe et les circuits courts, qui était vraiment quelque chose qui ressortait sur le territoire et dans les formations. Et voilà. Et on a aussi on a d'autres missions complémentaires par rapport à la formation qu'on attend de lycée agricole, c'est l'animation du territoire, l'expérimentation. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2017 on a plutôt été facilitateur, je vais utiliser ce terme-là, pour qu'un collectif d'agriculteurs, un groupe d'agriculteurs crée une association qui est basée du coup au sein de l'établissement à la même adresse. Donc cette association s'appelle le Drive Fermier de l'Homme et on est nous, enfin en tout cas moi en tant que responsable de la ferme de l'établissement, on est intégré dans cette association de producteurs. Donc on a été accompagné par la Chambre d'agriculture et le réseau Bienvenue à la ferme pour la création, le montage de cette structure. On a choisi une structure juridique associative qui représentait à l'époque en tout cas nos valeurs, notre structuration. On était 7 au départ, 7 fondateurs, dont l'établissement, dont la ferme de l'établissement. Voilà, donc j'ai parlé de gouvernance tout à l'heure, hein, parce que ça c'est très important. Les agriculteurs sont 100% autonomes, maîtrisent à 100%, et ça le terme maîtrise, je rejoins le collègue, c'est très important. Ce sont les agriculteurs, le collectif des agriculteurs qui maîtrisent l'outil de A à Z, enfin, tout le processus de commercialisation. Donc la structure, l'association, on paye les charges, donc on loue la plateforme, on a une assurance, les frais bancaires, etc., comme toute structure. Mais l'outil, les produits appartiennent aux agriculteurs, même lorsqu'ils sont sur la plateforme. Il n'y a pas de rémunération d'un commercial ou d'un gestionnaire. Tout est géré par les agriculteurs. Là, du coup, derrière, ça complique les choses pour le collectif, parce que ça nécessite une animation du collectif, une bonne entente, de la communication entre les agriculteurs. Bon, ça va peut-être faire écho du coup au troisième temps sur la communication et la formation, mais voilà. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. On doit se faire accompagner, on s'est fait accompagner par la Chambre d'agriculture. Mais c'est aussi en cheminant tous ensemble qu'on arrive à construire de mieux en mieux les choses. Et le confinement, enfin la crise sanitaire en 2020, il y a eu un pic, on a vendu plus. On a aussi eu des producteurs et des artisans qui sont intéressés au concept. On est passé de 7, on va dire, fondateurs. On est actuellement à 15 membres de l'association, plus ce qu'on appelle les extérieurs, c'est-à-dire des gens qui font du dépôt-vente de leurs produits, tout simplement. Donc, par exemple, des gens comme dans la perche à ferme fabrique, ça pourrait être le cas, par exemple. Ou membres de l'association aussi, hein, les deux sont possibles. Voilà, mais en tout cas, le cœur du système, c'est maîtriser à 100% son processus, notre processus en collectif. Et il n'y a pas quelqu'un qui décide pour les autres, c'est le groupe qui décide. Donc s'il y a un petit problème de qualité de produit, de prix, on en discute ensemble, on le règle ensemble. Et voilà, il n'y a rien d'imposer, tout est... Alors c'est un peu ce qui est innovant pour changer des magasins de producteurs. Hein. Bon, on peut se poser la question, quelle est la différence? C'est que là, tout est en prise de décision ensemble, tout est fait réellement ensemble, et pour lequel vous avez été notamment facilitateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre guillemets, un lieu, on ne va pas tous se réunir chez quelqu'un pour pouvoir le faire. Il y a un peu un aspect de neutralité de la part du lycée agricole pour l'ensemble de ces agriculteurs pour travailler, parce que évidemment, ce n'est pas toujours évident de mettre tout le monde d'accord. Le fait que vous soyez, vous, un lieu neutre, un lycée, ça facilite réellement la bonne entente et de faire avancer cette démarche de vente directe. Oui, je pense que ça a bien aidé à la construction du collectif.
Parce que c'est vrai que moi, le but, en tout cas, en tant que ferme, que responsable de l'exploitation, parce que la ferme de l'établissement, elle a des enjeux économiques également. Hein. C'est une ferme qui travaille comme un exploitant privé. Donc j'ai des charges, je dois générer des recettes, etc., comme un agriculteur privé. Mais ce n'était pas l'objectif principal pour l'exploitation de l'établissement de générer du chiffre d'affaires pour sa ferme. Mais c'est de répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette notion d'animation du territoire, et de faciliter du coup cette maîtrise pour les agriculteurs, ce gain d'autonomie pour les agriculteurs, reprendre le pouvoir dans sa commercialisation par rapport à des circuits qui amènent peut-être plus de dépendance. Voilà, quand on parle d'accroître son autonomie, de retrouver son autonomie, on parle bien là de pouvoir reprendre place dans un marché qui lui est propre, hein, avec moins d'intermédiaires. Et donc ça, c'est cette opportunité-là que vous offrez. On peut donner un exemple, la diversité des produits que vous retrouvez dans le Dry Farming, il y a tout. Hein. On retrouve à peu près tout, hein. Ça va des produits laitiers, la viande avec plusieurs espèces, hein. Le bœuf, l'agneau, la volaille, le porc, je crois que j'en oublie. Enfin, il y a des fruits, du fruit, donc pommes, jus de pomme. Il y a du pain, il y a pas de chips. Ouais, voilà, c'est un message. Il y a de la laine de mohair, il y a du miel, il y a des légumes, hein, ça je l'ai oublié, mais c'est voilà, il y a des légumes, il y a des plants de fleurs, il y a des plants de légumes, il y a plein de choses. Alors, il y a ça des tisanes, enfin voilà. Alors pour celles et ceux qui nous suivent, qui sont à proximité, donc on est bien du côté de l'homme, hein, le drive. Lille, oui, ouais, c'est Lille. Ouais. Ouais, c'est Lille. On peut aller directement, on peut se connecter sur quel site internet? C'est le www.drive-fermier-l'homme. C'est le tiré du 6, ouais. .fr. Ah bah voilà, on retient l'adresse, on comprend à quel point c'est important de pouvoir garder son autonomie, et c'est dans la même démarche, hein, que Grégoire Leleu. Alors on a une question à un internaute qui me paraît tout à fait intéressante à poser. Vous allez les suivre, et puis je vais vous inviter aussi, Paul-Marie, à répondre à cette question. Bon, là, il y a le travail d'enseignant, hein, ce qui vous concerne, hein, aussi, on pourrait ajouter le travail d'enseignant en plus, hein, parce que vous enseignez aussi. Non, vous n'enseignez pas. Voilà. Donc, et par contre, les étudiants, on est bien d'accord, il y a aussi une vraie démarche pédagogique. Ce drive fermé sert évidemment. Oui, la ferme de l'établissement est un réel support pédagogique. Hein, ouais. Et donc, ça grouille d'apprenants, enfin, d'étudiants, lycéens, stagiaires, apprentis. Ça, oui, c'est une fourmilière. Ouais. Alors, vous allez pouvoir du coup répondre à cette question pour Grégoire, pour Pierre-Louis et donc Paul-Barry. D'après vous, qu'est-ce qui vous motive le plus le matin en vous levant? C'est la casquette d'agriculteur ou la casquette d'entrepreneur? Alors, là, en l'occurrence, on est entre les deux. Bah, un agriculteur est un entrepreneur, hein, maintenant. Donc, c'est entrepreneur, bien que moi, c'est un cas particulier parce que je ne suis pas indépendant, comme à mon avis mes collègues. Voilà, je suis salarié d'une structure, mais j'ai quand même les missions d'un entrepreneur. Et c'est ça qui est motivant, et d'autant plus sur le drive fermier, parce que c'est une structure à part. J'ai été président du drive fermier pendant 3 ans, j'en suis trésorier, donc c'est clair que cette notion d'entrepreneur et de gestion d'entreprise, c'est ça qui est intéressant. C'est un métier passion aussi, hein. On ne fait pas ce métier-là. Alors, je vais poser la même question à Grégoire et à Pierre-Louis qui sont avec nous. Qu'est-ce qui vous motive le plus quand vous levez? C'est votre métier d'agriculteur ou votre métier d'entrepreneur? Non, c'est vrai que de toute façon, ça a été résumé, mais l'agriculteur devient entrepreneur et ça, c'est plus à court terme, hein, c'est d'actualité complète. Ça, aujourd'hui, il faut entreprendre tous les jours et faire différemment. Et du coup, qu'est-ce qui motive le plus, en fait, c'est de pouvoir faire différemment, mais surtout de devoir faire mieux tous les jours. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Vous êtes d'accord aussi? Je suis d'accord. Voilà, ça résume bien, je pense qu'ils ont bien résumé quelle était la vie. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la transformation du métier d'agriculteur, c'est de prendre davantage de casquettes, et on va le montrer, et ça va être l'un des points forts également de cet après-midi, puisqu'on va développer parmi la totalité de ces casquettes celle de bien communiquer aussi. Alors on a encore une question de la part des internautes. Quel conseil donner à un agriculteur qui veut se lancer dans sa transformation de sa production? Alors, peut-être auprès de Pierre-Louis ou de Grégoire. Réfléchis. Voilà, le gâteau n'est pas non plus exponentiel, comme la crise de Covid n'a pu nous donner l'idée. Donc, le gâteau de la consommation des produits locaux n'a pas forcément explosé. Les parts de gâteau sont toujours plus ou moins les mêmes. Donc, attention.
bien réfléchir, trouver les marchés de niche, ça c'est le principal conseil. Monter son projet bien réfléchi, bien s'accompagner, surtout bien se renseigner, aller voir ce qui se passe. Et puis bah, se laisser aussi guider par ses idées personnelles. Quoi. Alors c'est bien résumé. Hein, bah oui, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Grégoire, se laisser guider par ses idées personnelles, en fait, c'est partir de ses forces personnelles. Et surtout, moi, je pense qu'il est important aussi, si on veut se lancer dans cette transformation, c'est toujours se diversifier par rapport à ce qui peut exister sur le marché. C'est vrai que l'une des problématiques aussi en agriculture, quand il y a une innovation ou autre, c'est que rapidement c'est copié et il y a rapidement pas mal de personnes qui veulent essayer de mettre en place ces choses-là. Bah, l'idée, c'est aussi d'essayer de faire son propre chemin et voilà, et se diversifier aussi de ce que peuvent faire les autres. Comme disait Grégoire, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, mais je pense que c'est un des facteurs clés de réussite. Alors, on l'a bien compris, les casquettes sont de plus en plus larges, se diversifier. Et on va parler dans un instant de la formation dans ce troisième temps fort, en particulier l'axé sur la communication. Alors, avant de passer à ce troisième temps fort, est-ce que vous diriez que c'est important maintenant, vous, de communiquer comment vous envisagez ça, vous, en tant qu'agriculteur? C'est quelque chose que l'accompagnement d'Itera, peut-être vous êtes beaucoup. Comment on communique quand on est agriculteur, bien ou pas? Là, actuellement. Bah, l'accompagnement d'Itera aide beaucoup dans le sens où quand on est agriculteur, on est avant tout producteur de matières premières au début. Et du coup, là, le fait de changer un peu de métier et de transformer, bah, du coup, c'est un des enjeux là, de l'année à venir. C'est justement de structurer la communication pour toucher le plus de monde possible, et notamment grâce au digital. Et le fait de sortir de sa ferme et d'aller de rencontrer des gens comme Itera, bah, ça permet aussi d'avoir accès à des technologies et d'être un peu à la page aussi de ce qui se fait sur la partie digitale notamment. Ouais. J'ai envie de poser aussi à Paul, Marie-Anne, vis-à-vis des agriculteurs que vous avez dans ce collectif, est-ce que c'est quelque chose d'avoir toutes ces casquettes là pour faire face à ces défis là? Est-ce que la formation est au rendez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis par rapport à la communication? Par rapport à la communication. Enfin, c'est pas acquis, hein. C'est pas nécessairement acquis, surtout pas par rapport à la communication. C'est au sein du collectif, c'est vraiment notre point faible. Il faut le dire. Les agriculteurs sont quand même le nez dans le guidon la plupart du temps. Ils ne pensent pas réellement à communiquer dans le sens où on peut l'entendre, en tout cas au niveau de la structure, de l'association. Et ça, c'est notre point faible. Et c'est clair que la formation, l'animation, c'est important. Et clairement, travailler ensemble permet, avec des structures qui peuvent nous accompagner, à évoluer dans ce sens-là. Ah bah juste, on va le découvrir avec le troisième temps fort, innover pour sensibiliser et pour communiquer, désormais un des enjeux que doivent porter les agriculteurs. C'est parti pour le temps fort numéro 3. Alors, vous l'avez compris, on a beaucoup de partenaires, après avoir parlé de Rêve Agro avec nous, de la plateforme agriculture du futur. Eh bien, vous l'avez compris, on a la chance d'avoir aussi l'incubateur accélérateur Itera. C'est l'un des partenaires qui a préparé notamment ces échanges. Je vous propose de le découvrir en images. C'est parti. Alors, vous aussi, on va vous poser la question, évidemment, communiquer, est-ce une nécessité pour l'agriculteur ou pour l'agriculture? Pour cela, on vous remet le QR code, on vous invite à participer avec nous et vous avez la possibilité de répondre, c'est un vrai ou faux, oui, non, voilà, dites-nous ce que vous ressentez. Ou est-ce qu'au contraire, contrairement à peut-être aux messages, aux questions qu'on a eues de la part des internautes, peut-être des agriculteurs qui nous suivent, non, c'est pas forcément le cœur du métier, pas forcément la transformation qui est attendue. Partagez avec nous et n'hésitez pas également d'envoyer vos questions pour évidemment alimenter les échanges de ce troisième
temps fort. On va vous laisser le temps de répondre et on reviendra évidemment sur les résultats d'ici quelques instants. On vous laisse le QR code, le temps de vous connecter, de répondre à nos questions. Alors, on a beaucoup parlé d'Uni Lassalle hein, depuis le début. On a la chance d'avoir ici avec moi Gaëlle Cotby, coordinatrice programme création d'entreprise chez Uni Lassalle. J'ai Nicolas Carton, délégué régional Hauts-de-France de l'association TRAM, Marion Wallez, chargée de communication chez Arvalis, et Coralie Boulanger, chargée de mission chez Agricurieux pour À nous la Lune, et Thierry Dupont, président du conseil d'administration de la coopérative Agora. Merci à tous hein, d'être là avec nous. N'hésitez pas à intervenir, à échanger. Alors, bon, bah, vu qu'on a parlé beaucoup d'Uni Lassalle et qu'on a commencé avec ça, on vous a fait une bonne publicité aujourd'hui. Je crois que c'est pas mal, effectivement. Hein, c'est nos anciens qui parlent le mieux de notre école. c'est pas mal du tout. Avec nous en direct, dans un instant, on va voir Luc Haneuse aussi, qui est directeur de l'AgriLab Uni Lassalle. On en a parlé il y a quelques instants. Et, alors, on va l'avoir avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'évidemment, on fasse cette intervention ensemble. On a parlé beaucoup qu'on avait l'esprit d'entreprise à Uni Lassalle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez développé cet esprit d'entreprise chez les étudiants qui sont parmi nous? Alors, je crois que ça vient d'eux et de l'intérieur d'eux-mêmes. Ça vient aussi des valeurs d'Uni Lassalle, qui sont de combattre les pauvretés par l'éducation et par l'entreprise, le fait d'entreprendre, c'est-à-dire de créer finalement une valeur économique, culturelle ou sociale. Et c'est ce à quoi ils adhèrent avant même de nous rejoindre et qu'ils expriment pendant leurs études, à la fois dans le cadre académique, mais aussi bien sûr hors académique et dans le tissu associatif très vaste que les étudiants de nos campus ont conçu et animent au quotidien. Alors, on m'avait dit, il y a combien d'associations à Uni Lassalle qui sont vécues dans nos échanges, on en avait parlé, j'avais trouvé ça incroyable. Alors, c'est effectivement, alors selon les campus, hein, selon les années, mais on est à pas loin de 100 associations étudiantes sur l'ensemble du groupe qui œuvrent d'année en année à contribuer au tissu associatif aussi local et au territoire sur lesquels nous sommes installés. Alors, il y a un vrai souci d'éléments de langage auprès d'Uni Lassalle, de celui de l'entreprise, celui d'entreprendre. Et ça, il est extrêmement encouragé. On l'a vu tout à l'heure avec Colline, notamment, qui a très bien défendu. On l'a vu à plusieurs reprises, d'ailleurs, sur l'ensemble des intervenants depuis le début d'après-midi. Comment vous expliquez ça que vous avez su, parce que vous en avez fait des communicants aussi Alors, je crois que communicant, puis c'est le sujet de cette partie de la table ronde, hein. Aujourd'hui, la communication est partout, l'information est effectivement partout. L'enjeu, c'est de piloter et de maîtriser ce que l'on communique pour être aligné avec ses valeurs et avec ce que l'on veut faire, quelles contributions on veut apporter aux enjeux sociétaux de demain. Donc, finalement, à Uni Lassalle, ce sont surtout des opportunités, des occasions qu'on leur propose, mais ce sont eux qui, dans leurs actions et au quotidien, s'en saisissent ou pas en adhérant à ce qu'on leur propose. Donc, ce sont des concours, des start-up week-ends, des parcours, des modules académiques, la vie associative, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de l'innovation pédagogique, des parcours de plus en plus à la carte, et puis des synergies entre nos campus et les différents domaines qui sont en lien avec l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Voilà, vous formez tous celles et ceux qui peuvent travailler dans tous les domaines qui accompagnent l'agriculture. Absolument. On se veut une école qui permette d'être proche de l'agriculture et de l'agriculteur, mais très ouverte, très transverse, et le plus de synergie possible entre tous les domaines au bénéfice du développement durable des territoires dans lesquels nos jeunes vont ensuite contribuer et développer des activités économiques par la voie de l'entreprise autonome, du travailleur non salarié, mais par la voie également de toute forme d'entrepreneuriat, de reprenariat, d'intrapreneuriat au cœur des différents systèmes et écosystèmes en lien avec l'agriculture. Alors, avant de retrouver l'AgriLab à Uni Lassalle, on va peut-être revenir sur le résultat Bicast, sur le résultat. Oui, communiquer. Alors, il y a eu 0% pour le non, pour dire à quel point c'est indispensable. Vous êtes 100% à dire que ça fait partie du métier d'agriculteur de communiquer. Est-ce que dans les agriculteurs, dans les activités que vous accompagnez, alors vous avez poussé à créer la création d'entreprises hein, dans les projets entrepreneuriaux, mais est-ce que vous diriez que les agriculteurs savent communiquer correctement aujourd'hui? C'est une question piège, hein, je vous pose là.
Je ne sais pas s'ils savent communiquer. Je crois que surtout, ils font de plus en plus d'efforts pour transmettre les valeurs qui leur sont chères et communiquer et piloter leur propre communication. Et c'est ça qui me paraît important et que l'on n'avait pas forcément en tête il y a quelques années ou quelques générations. Aujourd'hui, c'est contribuer à faire connaître ce que l'on fait et à faire comprendre ce que l'on fait qui est le sens de la communication et qui me paraît pertinent. Alors évidemment, ça ne vous surprend pas à chacun, celles et ceux qui sont autour de cette table ronde, le fait que tout le monde dise que ce soit nécessaire, on est bien d'accord. Du coup, je vous propose de découvrir Luc Anoz, qui doit être en principe en direct avec nous, en duplex, à l'AgriLab. Alors, on n'a pas la possibilité forcément de construire cet échange en questions-réponses. Je sais que vous avez préparé une présentation. Vous êtes plutôt content là qu'on parle beaucoup de vous, là, Uni La Salle. On a parlé de l'AgriLab aussi. Hein. Je vous vois avec le sourire. Satisfait ? Oui, tout à fait. Je suis enchanté d'être parmi vous, même à distance. Donc là, on est littéralement dans la communication. Avec les nouvelles technologies, tout le monde y a été poussé très récemment avec le Covid. Donc c'est vraiment aussi dans nos missions, c'est permettre à tout un chacun et particulièrement aux acteurs de l'agriculture de s'approprier les nouvelles technologies. Alors, vous avez justement parmi ces missions la bonne idée de nous présenter un peu ce que peut vous apporter Uni La Salle et en particulier les fonctions de l'AgriLab. Je sais qu'il y a une présentation qui est prête. On va vous laisser nous présenter évidemment cette force que nous avons la chance d'avoir sur le territoire. Donc, AgriLab est un centre d'innovation ouverte et Fab Lab. Donc, nous avons une série d'équipements à disposition de tout un chacun et des étudiants. Donc, c'est principalement des imprimantes 3D, des gros équipements comme des CNC qui permettent justement de prototyper l'agriculture de demain, aussi de faire des prototypes électroniques, donc pour pouvoir faire son capteur connecté. Et justement, pour l'entrepreneuriat, un des liens possibles, c'est de pouvoir faire des proof of concept, donc des espèces de démonstrateurs qui vont pouvoir être testés à différents endroits et valider le fait que ça soit une bonne idée pour pouvoir justement démarrer, tester en conditions réelles à l'extérieur les idées pour construire l'agriculture de demain. Voilà, merci beaucoup. Hein, évidemment, vous avez dit à quel point le sens du service, enfin l'accompagnement de l'AgriLab est fort. Est-ce qu'il y a un volet communication parmi les forces, les formations possibles auprès de l'AgriLab? Tout à fait. Donc, on a plusieurs approches. Donc, une approche très accessible. Tout le monde a certainement dans la salle un téléphone dans sa poche. Et donc, on fait des ateliers pour apprendre aux gens à comment utiliser son téléphone pour filmer de manière quasiment professionnelle, comment monter des extraits vidéo avec des logiciels gratuits et open source. Puis, on peut passer à un niveau avec des équipements beaucoup plus élevés et commencer vraiment à faire une communication. Mais ce qui est aussi important, ce n'est pas juste l'outil lui-même, c'est comment l'utiliser, comment interagir avec les réseaux sociaux actuels, comment réfléchir, construire une idée, un projet, comment l'expliquer. Et ça, on a une série d'outils complémentaires pour vraiment arriver à faire passer un message. Maintenant, c'est vraiment le domaine. Il y a énormément de YouTubeurs. Donc, c'est des pratiques qu'il faut s'approprier. Sinon, d'autres parlent à votre place. Et vous êtes certainement une des meilleures personnes en tant que acteurs, agriculteurs, chaque jour vous contribuez. Donc, vous êtes sûrement un des meilleurs acteurs pour expliquer vous-même votre pratique et les nouvelles manières de s'exprimer avec les médias actuels sont vraiment à s'approprier. Comment est venue l'idée de cet outil qui est à disposition? Quel a été le point de départ de cette aventure de l'AgriLab? C'est vraiment réfléchir à la ferme du futur. C'est et donner la possibilité aux agriculteurs de eux-mêmes participer à l'innovation. Donc vraiment, si quelqu'un a une idée, il peut venir apprendre une série de techniques et construire son idée, puis aller
plus loin, s'adresser à un industriel, mais il a déjà quelque chose à montrer de pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort pour le territoire, c'est permettre aux gens qui sont créatifs ou même des gens curieux. Alors, il y a une série de gens qui ont un peu peur en se disant « Ah, oh, ça a l'air compliqué », mais on arrive vraiment à construire une progression qui fait que beaucoup de gens arrivent à construire et à participer à l'agriculture du futur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui ça prend place hein, sur le territoire de Hauts-de-France. On peut dire qu'à peu près, si vous savez, imaginez le nombre d'accompagnements que vous avez fait grâce au service d'AgriLab. Approximatif. Alors, c'est toujours une question piège. Parce qu'on peut faire un accompagnement pour un projet très court et très simple. Donc là, je pourrais vous sortir des chiffres qui brillent, mais ce qui compte, c'est vraiment que les gens arrivent à produire ce qu'ils ont envie. Donc, il y a des projets qui vont prendre 6 mois, 1 an, qui sont beaucoup plus complexes, où on met plusieurs acteurs. Donc, on est aussi très, très connecté avec une communauté européenne, une communauté mondiale, qui permet justement de mettre plus de force, plus d'idées en commun, des spécialités qu'on peut trouver un peu partout. Et donc, je ne vais pas spécifiquement répondre avec un chiffre. Ce qui compte, c'est vraiment de faire des projets qui changent notre manière d'appréhender l'agriculture. Alors, on a une question de la part d'un de nos internautes. Je vais vous laisser y répondre. Comment le processus d'innovation technologique, d'après vous, peut-il contribuer à l'amélioration de la durabilité? Alors, bien, justement, ce matin, on a eu l'honneur de pouvoir répondre à un appel à projet européen sur le biochar, qui est donc une technique qui existe. Mais là, justement, on va pouvoir participer en la démocratisant, donc en fabriquant un outil qui va être plus facilement accessible et aussi ajouter une couche média pour expliquer comment l'utiliser au plus grand nombre. Et là, c'est vraiment tout à fait un projet dans la veine développement durable. C'est prendre le carbone qui est dans l'air, entre guillemets, de manière très, très simple, et le stocker dans le sol pour en plus faire une forme de fertilisation. Voilà, je pense que merci pour la réponse. Je vois mes collègues à côté de moi. Ils sont contents que la question soit tombée sur vous. Pour répondre, évidemment, on voit à quel point on a la chance d'avoir cette capitale d'experts avec nous et avec cet outil. Si on veut profiter des services d'AgriLab, quel est le point de départ? Alors, c'est venir nous voir, visiter. On est ouvert tous les mardis et jeudis à 14h. Alors, les étudiants Unilassalle ont accès gratuitement, évidemment, chez nous. Venez visiter, on vous expliquera comment ça fonctionne. On a une série d'ateliers très accessibles pour justement démarrer en douceur en fonction de votre niveau. Voilà, vous avez parlé de projets européens qui sont en cours. Il y a plusieurs développements de projets hein, européens chez Unilassalle qui se développent. Vous pouvez nous dire un peu justement Alors, tout à fait. Et commencer aussi par remercier la communauté d'agglomération du Beauvaisis qui soutient nos initiatives et la coordination entrepreneuriat, ainsi que le conseil régional qui est la délégation justement des fonds européens et qui nous permettent, grâce au dispositif investissement territoriaux intégré, ITI, de soutenir mon activité, mon poste et l'ensemble des développements que nous faisons en national comme en international pour soutenir les porteurs de projets et leurs projets. Alors, j'ai une question peut-être pour Lucanos, s'il est encore avec nous. Est-ce que le modèle d'AgriLab existe dans d'autres pays? Alors, il y a des Fab Labs partout dans le monde. On est vraiment beaucoup, ça se multiplie. Après, des Fab Labs vraiment très, très spécialisés sur l'agriculture, il n'y en a pas tellement. Et on travaille justement à multiplier le modèle. Mais dans beaucoup de Fab Labs, il y a des projets agricoles. En général, c'est quand même plus de l'agriculture urbaine. Donc nous, on travaille plus sur montrer que c'est possible de faire de l'agriculture dans le milieu rural. Mais c'est quelque chose auquel on travaille, c'est vraiment à multiplier le modèle et à structurer justement des formations. Et ça, grâce à la communauté d'Unilassalle, on en fait profiter des étudiants ingénieurs et on élargit la formation en dehors du cadre aussi. Donc, c'est aussi accessible à beaucoup, beaucoup de gens.
Voilà, merci. N'hésitez pas encore une fois à envoyer vos questions. Si vous avez des questions en salle aussi, dans cet auditorium magnifique du Quai de l'Innovation qui nous accueille pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation. L'innovation est justement au service de l'agriculture de demain. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec l'AgriLab Lucadeuse. Et on peut visiter, hein, si le cœur en dit, peut-être celles et ceux qui nous accompagnent, qui nous écoutent, d'aller voir évidemment l'AgriLab, l'un des rares Fab Labs consacrés au métier de l'agriculture, l'agriculture que nous avons la chance d'avoir ici avec nous. Ça traverse bien au-delà de nos frontières. Vous êtes d'accord avec moi, Lucadeuse, hein, la réputation de l'AgriLab a des actions et une réputation qui dépasse bien au-delà le territoire des Hauts-de-France. C'est une fierté, je suppose, pour Unilassalle d'avoir cet outil. Absolument, et à venir des compléments vers la transformation agroalimentaire notamment, qui nous permettra d'accompagner encore plus loin les métiers de l'agriculture, des agricultures de demain, et puis de faire des ponts avec des projets comme ceux dont on a parlé avec Ferme Fabrique ou avec Grégoire Leleu tout à l'heure. Alors, on a parlé de cette nécessité de sensibiliser, de se former, d'avoir plusieurs casquettes. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous avez bien anticipé auprès de l'association TRAM pour accompagner les agriculteurs. Je vais vous laisser présenter un peu Nicolas Carton. Que représente l'association en elle-même ? Oui, bonjour. Et donc, TRAM, c'est un organisme national à vocation agricole et rurale. Voilà. Donc, moi, j'en suis le délégué régional. On est à la fois une tête de réseau associative. Donc, on fédère des associations et des collectifs d'agriculteurs. On est aussi un centre d'accompagnement et d'expérimentation sur tout un tas de sujets, transition humaine, transition organisationnelle, transition agroécologique dans les fermes et dans les territoires. Et on est aussi un centre de formation. On intervient aussi beaucoup auprès des leaders agricoles, des responsables agricoles, des conseillers aussi, voilà, de coopératives, de chambres d'agriculture, etc. Donc on accompagne tout ce monde-là dans les transitions qu'ils vivent. Voilà, alors pas tellement technologique, mais on fait plutôt le pari de l'innovation organisationnelle, sociale, humaine au sein des organisations. Voilà, pour amener du projet, pour amener de la diversité, pour amener des réflexions et puis des projets qui puissent améliorer la qualité de vie des agriculteurs et puis répondre aussi aux enjeux qu'on voit dans les territoires, des enjeux de renouvellement des exploitations agricoles, des enjeux donc, d'installation, des enjeux de juste vivre de son métier. Voilà. Alors, je suppose qu'on sent beaucoup de l'axe humain qui est pris vraiment en compte dans l'association TRAM. C'est quoi le début de l'aventure, d'ailleurs, de l'association TRAM Alors, c'est ça a 30 ans. On a 30 ans, la TRAM. Alors, cette année, le démarre, 92. On a nos racines dans les groupes de développement agricole, en fait. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire du développement agricole, mais à la sortie de la guerre, il y a eu quand même beaucoup d'innovations, pour le coup, technologiques, organisationnelles qui se sont mises en place. Le fait de travailler ces organisations et ces changements en collectif a vraiment accéléré les transitions. Et donc, nous, début des années 90, c'est au sein des groupes de vulgarisation agricole et au sein des associations de salariés agricoles. Voilà, qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire, il y a matière à travailler ensemble et à accompagner ces transitions. Alors, qu'on ait une idée hein, pour la totalité de la diversité des formations qui sont proposées, parce qu'on a bien compris depuis le début qu'aujourd'hui le temps et les enjeux, ce qui était essentiel aujourd'hui pour l'agriculture de demain, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, la diversité de ce que vous proposez, par exemple, y a-t-il un volet communication, par exemple, sur les agriculteurs que vous accompagnez, également sur ces leaders, ces managers? Ouais, effectivement, c'est sûr que tout ce qu'on a entendu cet après-midi, on le retrouve et on le ressent hein, dans les collectifs qu'on accompagne, dans les associations qui sont membres de TRAM. Moi, je vois deux niveaux. Je vois un niveau de communication extérieure, c'est-à-dire quel lien peut... comment on peut rapprocher le lien, en fait, recréer du lien entre les agriculteurs et le territoire, parce qu'il y a une distanciation sociale, une distanciation géographique, une distanciation même alimentaire, quoi. Et donc là, on travaille beaucoup sur ces questions de posture, évidemment, au niveau des agriculteurs, et de concertation territoriale, de concertation locale, comment est-ce qu'on arrive à animer localement sur un territoire un ensemble d'acteurs
Pour développer des politiques alimentaires territoriales, pour développer du projet qui fasse sens et qui réponde à des besoins. Donc ça, c'est un premier niveau. Et puis, il y a un deuxième niveau de communication qui est aussi des agriculteurs, des agricultrices et des salariés entre eux. Tout à l'heure, on a eu le témoignage d'un magasin de producteurs. On accompagne dans nos réseaux beaucoup de magasins de producteurs qui sont des formidables outils pour retrouver de l'indépendance, de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, de la diversité, etc. C'est aussi des lieux où plusieurs entrepreneurs se retrouvent, interagissent ensemble, doivent travailler, coopérer ensemble, et c'est pas inné. Cette coopération, elle se travaille, elle s'accompagne, et c'est cette plus-value-là qu'à Tram, on peut accompagner. Alors, on avait une question, hein, internaute, mais vous étiez plus sur l'axe collectif, en fait, hein, de stratégie collective que sur le numérique. Est-ce qu'on doit mettre en opposition ça, d'ailleurs, ou pas ? Non, pas du tout. Nous, on ne met absolument pas en opposition les différentes innovations. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'aperçoit, le Covid a fait mal, hein, pour les groupes. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont mis en sommeil liés au Covid. Malgré tout, le numérique, il permet de garder un lien et il permet aussi de... Tout à l'heure, on parlait du temps. Effectivement, on a de moins en moins de temps. Les agriculteurs ont de moins en moins de temps. Ils ont des fermes bien souvent de plus en plus grosses, avec de plus en plus de casquettes, de métiers, d'activités. On a modifié nos pratiques et on accompagne maintenant aussi à travers de la formation hybride, présentielle et distancielle, sur des temps courts, des temps longs, évidemment. Tout le monde s'y est mis et ça répond à un vrai besoin, c'est tant mieux. Ouais. Alors, je reprends un exemple de question qui est avec nous. Est-ce qu'on peut donner des exemples de formation, d'accompagnement que vous réalisez auprès des agriculteurs ? Oui, alors par exemple, au mois de juin dernier, moi, j'ai accompagné une douzaine d'agriculteurs sur justement ces questions d'entente, de cohésion et de prévention du conflit au sein de collectifs. Ouais. Et donc, on a abordé la question de l'écoute active, on a abordé la question de la communication non violente, on a abordé la question de la posture et des jeux de rôle aussi. Et donc, comment est-ce qu'on vient décortiquer et donner des outils, des clés de lecture dans des situations humaines qu'on peut vivre au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, au sein de sa ferme, hein, parce que les collectifs qu'on accompagne, c'est pas que des groupes de fermes conjoints, c'est aussi, ça peut être au sein d'un GAEC, ça peut être au sein d'une entreprise. Est-ce que l'exemple du drive fermier qui était hébergé dans le lycée agricole de l'Homme, le fait que ce soit un terrain entre parenthèses neutre, que ce soit eux qui soient facilitateurs de discussion, est-ce que ça fait partie aussi des choses qui permettent d'innover sur ce type de réunion, faire travailler ensemble davantage les agriculteurs? Est-ce que ça prend sens dans votre démarche ou pas? Ouais, c'est évident. Les lycées agricoles sont des formidables outils aussi pour fédérer et pour développer des dynamiques dans les territoires. La question, elle amène plusieurs réponses et bon, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais comment dire? Il y a des logiques à un moment donné. On a besoin de lieux, on a besoin d'outils, on a besoin de compétences à un moment donné pour accompagner ces dynamiques. Bon, voilà. Et le fait à un moment donné de ne pas prendre part au sujet, au projet, est important aussi. Et donc, on vient aussi nous chercher pour ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point la nécessité est de communiquer entre nous, enfin, entre professionnels, entre agriculteurs, et puis la nécessité aussi de communiquer auprès du grand public sur l'image de l'agriculture de manière générale et plutôt sur cet axe que vous avez travaillé, Marion Wallez, c'est bien ça, hein, c'est Wallez, hein, je prononce bien, avec Arvalis. Alors, peut-être, on a parlé tout à l'heure d'Arvalis, c'est bien peut-être de nous rappeler en quelques mots ce que représente Arvalis. Oui, bonjour. Donc Arvalis, Institut du Végétal, c'est un institut de recherche appliquée en agriculture dédié aux grandes cultures. Donc on travaille principalement sur les céréales à paille, le maïs, les pommes de terre, le lin, les fourrages. On est 450 collaborateurs répartis sur 27 sites en France et notamment présents dans les Hauts-de-France sur notre station expérimentale de Villars-Saint-Christophe, près de Saint-Quentin. La mission d'Arvalis, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la production durable et performante de leurs exploitations et donc de leur permettre aussi de vivre de leur métier avant tout, comme disait mon collègue. Alors, et pourtant, vous avez eu la nécessité, enfin, vous avez entamé une démarche de communication auprès du grand public, hein, sur l'image des agriculteurs. Alors, vous êtes parti sur quel constat? Pourquoi vous êtes parti dans cette démarche? Est-ce que c'était une attente de la part des agriculteurs, par exemple?
Alors, c'est une attente de nos professionnels, effectivement, parce qu'on est géré et financé par les agriculteurs. Alors, il n'y a pas eu un élément déclencheur en particulier, mais on s'est rendu compte, voilà, depuis plusieurs années, que la société évolue, que les attentes ne sont plus les mêmes, que le citoyen est beaucoup plus sensible aux questions environnementales, etc. Et donc, du coup, on a décidé, enfin voilà, on a constaté qu'il y avait un besoin fort de transparence maintenant des modes de production agricole et qu'il était dans notre pouvoir, en tout cas, d'éclairer le débat, les débats sociétaux et d'éclairer les politiques publiques, enfin les décisions politiques sur ces sujets-là. Donc, on a décidé effectivement d'entamer une action de communication qui s'appelle l'agriculteur, le citoyen, l'action. On avait quelques visions. Alors, on va montrer quelques images d'affiches. Hein. Comment sont diffusées d'ailleurs, à qui sont destinées, vous les diffusez de quelle façon, cette campagne d'affichage? Oui, alors en fait, donc c'est dans ça que c'est assez innovant, c'est que on est le premier institut technique agricole à faire ce genre de communication qui n'est pas destiné justement aux agriculteurs, mais qui est destiné aux parties prenantes, donc au grand public, mais aussi aux journalistes scientifiques, aux élus locaux, à des ONG, des associations, etc. Et donc, du coup, on a développé un site internet et qu'on relaye voilà, également sur les réseaux sociaux. On relaye aussi cette action via des newsletters. Le principe de ce site, en fait, est la rédaction d'articles sur des sujets qui sont important à la fois pour les agriculteurs et pour les citoyens. Et le but est de montrer en fait comment les travaux d'Arvalis concilient à la fois les exigences de l'agriculteur et les attentes du citoyen, puisqu'en réalité, l'agriculteur est également citoyen, donc a les mêmes attentes. Voilà, on va donner quelques exemples. Regardez cette campagne qui est très très bien faite, que vous allez retrouver sur le site. On peut donner l'adresse oui, du site. Bien sûr, hein. Oui, c'est action-arvalis.fr. Action-arvalis.fr, agriculteur progresser en agroécologie. Et puis, voilà, le point de vue du citoyen, diminuer les risques pour l'environnement. Et évidemment, l'idée, c'est c'est la même personne qui déploie ces messages et il n'y a pas d'incompatibilité entre l'agriculteur et le citoyen. C'est bien le message que vous voulez. Comment ça a été ressenti? Est-ce que vous avez eu les échos par rapport à depuis combien de temps déjà a démarré cette campagne? Oui, alors la campagne a été lancée au Salon de l'Agriculture 2020. Pour le moment, on a un déploiement sur notre site internet. Voilà, on fait de la promotion un peu externe auprès de nos ambassadeurs. On a été un petit peu impacté par le Covid aussi, qui nous a un peu empêché aussi d'aller plus loin. Donc voilà, on a pour l'instant effectivement 9000 visites sur notre site internet. Enfin voilà, on a des indicateurs mesurables pour le moment, mais on est en train de continuer à déployer en fait cette action. Et les agriculteurs qui ont vu, alors soit vous membres ou soit celles et ceux qui sont pas membres d'Arvalis par exemple, quel a été l'écho, l'accueil du site? Est-ce que vous avez eu des journalistes ou des personnes des particuliers qui ont réagi à la campagne et de manière positive ou négative d'ailleurs? Oui. Alors plutôt de manière positive en règle générale, et de tous ces publics là dont vous parlez. Effectivement, je pense que il est très important pour eux de voir qu'Arvalis peut prendre la parole et faire de la communication positive. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui très important avec les sujets qu'on traite. Alors, vous voyez ici, la dernière, dans tout agriculteur, il y a un citoyen qui veille. Et on vous remet bien l'adresse, hein, ça va apparaître, l'action d'Arvalis et de concilier. Retrouvez l'épreuve sur www.action-arvalis.fr. J'espère que j'ai bien dit, mais c'est dans l'ordre. Merci beaucoup. Hein. D'ailleurs, vous allez pouvoir vivre cette campagne. J'ai envie de poser la question, peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir des... Y compris le président d'une coopérative qui est avec nous en présence de Thierry Dupont. Est-ce que vous connaissiez la campagne? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et je pense que c'est important que tous les acteurs ici présents puissent faire de la communication. Alors, on peut la faire différemment, mais l'objectif, c'est de valoriser le travail qui est fait par les agriculteurs, mais pas que, par aussi tout l'écosystème qui tourne autour de l'agriculture.
Alors justement, c'est relayé pour l'instant que par Avalis, mais le but du jeu, évidemment, c'est que tout le monde puisse relayer cette page et relayer ce message à partir du moment où vous le souhaitez. Vous êtes parti dans une date limite de cette campagne ou pas ? Non, pas du tout. Non. L'idée, c'est de la faire vivre le plus longtemps possible. Exactement. Tant qu'elle reste dans les faits. Ce qui donne évidemment le lien idéal pour parler d'une autre action de communication positive, on va dire, hein, exactement de la même façon. Ça a été dit de manière totalement opportune il y a quelques minutes de cela, dans l'un des temps forts, le terme d'agricurieux. Je ne sais pas si vous l'avez relevé ou pas, puisqu'on va vous présenter le projet Agricurieux. Alors, qui va le présenter entre vous, entre Coralie Boulanger et Thierry Dupont? On va le faire à deux voix. Allez-y, faites-le à deux voix. Alors, peut-être, ce qui est intéressant, c'est déjà de représenter ce que vous représentez chacun. Parce que là, je vous ai présenté en tant que président du conseil d'administration de la coopérative Agora, d'accord, mais là, je vous ai présenté tout à l'heure comme chargé de mission Agricurieux, à nous la Lune, mais à nous la Lune, c'est une agence de communication. Tout à fait, à nous la Lune, c'est une agence de communication en stratégie et événementiel qui est basée à Longueuil-Sainte-Marie. Et en fait, on a été sollicité par Agora pour parler un peu de communication positive justement auprès des adhérents. Et on a lancé ce projet de l'Agora des collèges, qui donc au départ s'appelle l'Agora des collèges et qu'on va développer sur l'agricurieux tour. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, on m'a chargé de mission agricurieux tour, mais à la base, je suis plutôt dans l'administration, mais je suis femme et fille d'agriculteurs, donc c'était tout à fait à point nommé que j'ai pris ce projet à cœur et à corps. Voilà. Alors, un vrai projet, alors c'est vrai, quand on parle de communication, de s'adresser à une agence de communication, ça vous a semblé logique? Eh oui, le projet est né en 2017, avec un constat qui a été évoqué ici, c'est qu'il y a un lien qui s'est distendu entre les agriculteurs et notre société. Avant, dans chaque famille, il y avait un agriculteur, un cousin, on allait faire la moisson, donc il y avait le lien, les odeurs, les bruits. Et puis au fur et à mesure, tout ça c'est un peu distendu. Et donc on a fait le constat chez Agora de dire comment on peut contribuer à redonner du lien entre le métier d'agriculteur et nos citoyens. Mais pas que les agriculteurs, de faire participer également les collaborateurs de la coopérative, parce que au même titre que les agriculteurs, les collaborateurs de nos entreprises ont pu être mis aussi sur le banc un peu des accusés de cette agriculture polluante et ainsi de suite. Et donc c'était aussi de partager avec eux la valorisation de leur métier. Et donc on a décidé, avec À nous la Lune, en partenariat, de cibler les classes, les élèves de quatrième, parce que dans leur projet pédagogique, ça fait partie aussi la nature, l'écologie, la science du vivant, ça fait partie de leur programme. Et des élèves de quatrième ont cette curiosité encore naturelle, bienveillante, pour s'approprier ce qu'on peut leur expliquer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a développé, À nous la Lune a développé des outils pédagogiques, donc une trame commune. Mais les binômes constitués d'un adhérent agriculteur et d'un collaborateur ont pu aller expliquer et montrer dans les écoles, dans les classes, ce qu'ils faisaient, ce qui donnait du sens à leur métier, aussi bien agriculteur que collaborateur. Et puis surtout, c'était aussi de faire venir ces élèves sur in situ, donc sur les exploitations de ces adhérents qui participaient au binôme, sur les sites, les silos de la coopérative, et puis également de les faire venir et de faire une grande journée de clôture sur nos parcelles d'essai. On a une dizaine d'hectares de parcelles d'essai pour leur montrer concrètement ce que l'on fait aujourd'hui, mais ce que l'on prépare aussi pour demain, pour accompagner cette agriculture d'évolution, d'innovation et de respect de toutes les attentes sociétales, environnement, biodiversité. Donc voilà, c'est là où je pense qu'il y a une innovation, c'est qu'on a essayé de faire dans les deux sens, d'aller en classe, mais aussi de faire venir les élèves sur place pour qu'ils s'approprient ce qu'on pouvait mettre en place pour faire évoluer notre métier. Alors, c'est un exemple incroyable, hein. Évidemment. Ça a démarré, l'aventure a démarré il y a combien de temps ? Donc, la première édition a lieu en 2018.
On a donc fait 2018-2019 sans souci. 2020, on a été arrêté forcément comme tout le monde par la Covid, mais on n'a pas baissé les bras. On a innové et donc on a décidé de faire en 2021 une édition digitale, un peu hybride, donc avec des séances pour le coup autoportées dans les classes. Donc on a utilisé voilà, les nouvelles solutions digitales. Et malgré tout, on voulait garder le contact humain, parce que ça nous paraît capital dans cette opération. Et donc, on avait choisi des ambassadeurs agriculteurs Agora qui ont distillé des informations tout au long des séances. Et en fait, à la fin, on a réussi quand même à faire un escape game en classe qui retraçait un petit peu tous les outils pédagogiques qui avaient été vus sur les séances précédentes avec de l'humain, puisqu'ils ont été sur cette séance accompagnés par des agriculteurs de la coopérative. Alors, on va rappeler que vous êtes dans l'Oise, hein, à proximité de... Bah, Agora, c'est une coopérative. On accompagne 2500 adhérents, dont le siège social est à Clairoy, juste à côté de Compiègne. Et notre activité s'étend sur les deux tiers du département de l'Oise et une partie du Val d'Oise. Et l'intérêt aussi, c'était d'être acteur de notre territoire. Hein. Ça a été dit aussi aujourd'hui. Quand nos agriculteurs sortent dans les champs avec leurs différents outils, ben, ils sont confrontés à leurs voisins. Et donc, il faut aussi qu'on soit en capacité de faire venir tous ces gens-là, alors par des moyens divers et variés. Nous, on a fait le choix, par les enfants, d'essayer de stimuler aussi les cellules familiales par le contact de ces enfants, et donc d'avoir cette dynamique de territoire. Alors, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si on a quelques images, on va présenter par le film, et de voir je vous propose de voir la vidéo et après d'avoir les réactions, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions des jeunes et des agriculteurs également sur cette initiative de communication positive. C'est parti, en images. Le but de l'adhésion au projet était de leur faire découvrir ce secteur qui était très, très diversifié. Leur faire aussi lever des clichés par rapport à leur vision du monde de l'agriculture. C'est vraiment sortir un petit peu, je dirais, du papier crayon qu'on peut faire tous les jours, voir des vraies personnes, entre guillemets, des personnes de terrain. Moi, je trouve ça génial. Pour eux, c'est hyper concret. Ça donne du sens un peu à mon métier. On investit pour l'avenir, quoi, en termes de communication. Là, on est vraiment au vif du sujet, on est dans du concret. On voit mieux l'environnement dans lequel ils travaillent, comment ça se déroule la journée. C'est plaisant de parler de ce qu'on fait, de parler de notre métier. Hein. C'est vraiment une expérience qui est intéressante par rapport à ça. On est en train de faire des ateliers qui sont vraiment ludiques et qui, j'ai l'impression, les passionnent. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. C'est comme un peu une chasse découverte. Très bonnes activités. On estime que les jeunes aujourd'hui font la société de demain et c'est eux qu'on doit sensibiliser sur notre métier. Accompagné par Anou La Lune qui a vraiment mis en place une vraie mallette pédagogique, c'est un vrai projet d'entreprise couplé à un vrai projet pédagogique. Alors, on voit bien un hashtag agricurieux à retenir dans les champs. Est-ce qu'il y a des belles aventures? Est-ce que vous avez réussi à changer quelques habitudes de communication auprès de vos collaborateurs, celles et ceux qui sont membres de la coopérative? Se dire, ah bah tiens, oui, j'avais pas envisagé qu'il fallait prendre le temps de bien communiquer, d'expliquer mon métier. Oui. Oui, parce que ça, pour des collaborateurs qui sont dans leur silo, qui sont au siège social, qui sont dans leur dépôt, ils ne sont en contact qu'avec des agriculteurs. Et là, ils ont pu expliquer et donner du sens à leur métier. Et pour en témoigner, la première année, on n'avait pas fait la dernière journée de clôture sur les plateformes agroécologiques, mais on avait réuni l'ensemble des élèves et des parents d'élèves au Zénith de Compiègne. Les collaborateurs sont venus sur scène pour témoigner. Et je peux vous dire que pour un collaborateur, de se retrouver sur une scène devant 500-600 personnes, c'est un sacré challenge. Et ils en sont ressortis avec une expérience hyper bénéfique. Et ils ont donné aussi envie aux autres de vivre la même expérience. Donc il y a aussi une émulation. C'est pour ça que je disais dans le petit film que c'est aussi un projet d'entreprise, parce que ça crée de la cohésion entre
les collaborateurs, mais aussi entre collaborateurs et puis les adhérents, et puis vis-à-vis des élèves et de leurs parents. Et c'est vraiment passionnant. Dans le reportage, là, on voit un de vos collaborateurs, un agriculteur, dire ben voilà, on fait un investissement pour l'avenir, quoi. C'est vraiment le ressenti général vis-à-vis de tous celles et ceux qui participent. Il y a ce sens grandi aujourd'hui de faire cette action et d'investir sur le temps vis-à-vis de cette génération qui arrive. Oui, parce que on le dit, c'est les jeunes qui font la société de demain. Et si on veut faire évoluer les mentalités, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Alors, le chemin est long parce que je pense qu'on a pris énormément de retard, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et nous apportons notre petite pierre à cette communication positive, comme d'autres le font. Et je pense que c'est ça qui c'est cette addition d'initiatives qui, au bout du compte, fera que, au-delà de changer nos méthodes, de faire évoluer nos méthodes de culture, c'est aussi de faire évoluer la façon dont est perçue l'évolution de notre métier. Alors, est-ce qu'on a... Oui, allez-y, oui. Si vous voulez. J'ajouterais que ça a permis aussi... en fait, on a construit cette manette pédagogique avec des outils à la fois ludiques pour les élèves, etc., mais aussi avec un vocabulaire vulgarisé pour que les enfants se l'approprient facilement. Mais pas seulement pour les enfants, c'est-à-dire que le binôme qui encadrait la classe avait aussi tout un petit guide pratique sur, en gros, les messages clés à faire passer, mais chacun pouvait se l'approprier. Donc, ça devenait aussi une aventure humaine. Mais je dirais que c'est aussi pour donner l'occasion aux agriculteurs de parler de leur métier, de les conforter dans le fait qu'ils sont capables de le faire. C'est eux qui sont les mieux placés pour le faire et de donner de la visibilité. Et en fait, grâce à des outils simples, ils ont pris confiance en eux et ils ont pu, du coup, communiquer plus facilement. Et c'est ça qui fédère aussi et qui fait que ça donne à la fois un projet humain, un projet pédagogique. Mais voilà, on distille des petites informations et c'est ce qu'on fait aussi avec le site sur les réseaux sociaux d'Agricurieux, parce que voilà, on distille des petites informations qui peuvent intéresser tout le monde, parce que l'Agricurieux, c'est avant tout être curieux de ce qui se passe, donc pas seulement de ce qui nous entoure. Aujourd'hui, comme disait Thierry, les élèves ne savent même pas ce qui pousse à côté de chez eux, en fait. Et on est bien là pour les nourrir. Ah, c'est ça qui est complètement fou, vous voulez réagir. Là où effectivement le partenariat, l'accompagnement d'Anneau la Lune est important, c'est que c'est vrai que nous ne sommes pas des communicants, on est des agriculteurs, on n'est pas forcément fait pour communiquer et pour valoriser ce que l'on fait, et d'être accompagné par des professionnels, ça sécurise la façon dont on aborde ce nouvel enjeu, ce challenge, parce que c'est un challenge d'aller s'exprimer en public. Il y en a pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais c'est toujours. Donc il faut avoir les clés et puis d'avoir ces outils pédagogiques, ces supports. Bah, ça sécurise aussi les messages et voilà. Il faut s'entourer de professionnels pour bien communiquer. Et je pense que j'entendais dans la table précédente le collectif d'agriculteurs en disant le point faible, c'est la communication. Il faut prendre des professionnels et ça aide beaucoup. Alors, on a une question de la part d'un de nos internautes. Est-ce que le projet Agricurieux pourrait être étendu à d'autres coopératives? Alors, justement, ça tombe bien parce qu'on est en train de déployer, justement, de dupliquer, on va dire, l'agora des collèges à d'autres coopératives sur tout le territoire en France. On a commencé à les sonder. Bon, alors, voilà, ça serait plutôt pour septembre prochain puisque ça s'applique sur l'année scolaire. Et c'est pour ça qu'on développe l'Agricurieux Tour. Donc de la même façon qu'on a fait avec Agora, on va, puisque c'est un peu une success story, on est à la 5e édition avec Agora et on a à nouveau cette année déjà 24 classes engagées, donc on est super content de ce succès et on se dit voilà, justement, pourquoi pas déployer l'opération et l'adapter à d'autres coopératives, parce qu'on se dit c'est un super truc, on y va. Voilà, on a bien compris la nécessité désormais de prendre en charge cette communication de la part des agriculteurs. Donc là, en format coopératif, vous avez pris le taureau par les cornes pour pouvoir amener cette communication positive auprès des plus jeunes publics pour en faire la génération du futur, une génération d'avec pour en faire des agricurieux. Des agricurieux, de vrais agricurieux. Alors ça vous parle, hein, je suppose, à chacun. Je pense à l'association Tram. On est aussi dans cette démarche aussi. Assez humaine d'approche dans vos démarches. Hein. Pareil pour Arvalis, hein, on est dans cette démarche de communication positive. Oui, ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est dans ce qui a été dit aussi bien dans le film que dans les propos, c'est la question de retrouver du sens en fait dans l'action.
de retrouver du sens dans son métier d'agriculteur, de retrouver du sens dans son métier de trier des grains, de le vendre, etc. Et par ce sens-là, retrouver un lien avec le consommateur, retrouver un lien avec le citoyen. Et ça, il y a effectivement énormément à faire. Et c'est intéressant. Et c'est aussi la question du changement des représentations, en fait. C'est qu'on se représente différemment de l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez fort, c'est assez puissant quand on commence à toucher ces sujets-là. Alors, il y a plein de façons de le faire. Là, on en a un exemple. Dans la vente directe, les circuits courts, ça en est un autre aussi, à un moment donné. Et d'autres projets d'innovation territoriale qui poussent. Je pense à des unités de méthanisation, à des unités de compostage. Je pense au projet de paiement pour services environnementaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui et demain, les agriculteurs peuvent continuer à vendre des aliments, mais aussi produire des paysages, contribuer à entretenir des paysages et produire des services environnementaux que sont la qualité de l'air, les ressources en eau, etc. Et donc, c'est autant de biais qui sont intéressants pour retravailler ces... changer de regard et puis retravailler ces représentations. Ouais. Bravo, on va retenir cette idée de changer le regard ou de le rendre davantage positif à travers l'ensemble de vos démarches. Je vous remercie beaucoup pour ce troisième temps fort dans le but de sensibiliser à rendre agricurieux davantage celles et ceux qui entourent le monde agricole et qui en profitent, et puis d'apprendre à bien communiquer. On l'a bien compris à quel point vous proposez à chacun à votre niveau des solutions et à quel point vous avez apporté ce sujet. On arrive au bout de cet après-midi. Innover, une des clés pour l'agriculture de demain, vous l'avez vu à quel point différents niveaux, soit technologiques, soit en termes d'accompagnement, tout simplement, d'envisager l'ensemble des enjeux, bref, d'être bien attaché à son territoire et à la société et bien d'y communiquer. C'était vraiment l'un des points forts de cet après-midi. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé avec nous. Je vais vous laisser vous regagner vos places. On va arriver petit à petit à la conclusion de cette journée. Et pour arriver à cette conclusion de cet après-midi, d'ici quelques instants, nous allons accueillir la conseillère régionale, vice-présidente de la commission agriculture et agroalimentaire à la région de France. J'ai nommé Madame Janier Dubry. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, on est dans les conditions sanitaires, on nettoie les micros à chaque fois, mais vous pouvez vous dispenser du masque. Nous sommes à un mètre de l'un de l'autre. Qu'avez-vous pensé de cet après-midi? Bonjour tout le monde. Déjà, je suis très ravie d'être ici. Des échanges très riches, très très variés, mais qui ont quand même un objectif commun. C'est quand même de réfléchir à comment travailler, comment mettre en avant notre agriculture de demain et comment innover pour l'agriculture de demain. Et je me réjouis de qu'on puisse discuter de ces sujets-là et avec beaucoup de jeunes. Je me suis rendu compte que les témoignages, les personnes présentes, il y a quand même beaucoup de jeunes agriculteurs ou de jeunes qui travaillent dans le monde agricole qui s'emparent de ces sujets-là et je m'en réjouis. On a eu la chance d'avoir beaucoup parlé de jeunesse, hein, là, en l'occurrence avec des collégiens il y a quelques instants. Beaucoup de lycéens étaient avec nous en train de nous suivre, y compris derrière les écrans. Bref, la jeunesse, ça parle à la région de France, évidemment. Oui, on a les lycées. Je vais peut-être faire un parallèle avec un témoignage qui a été fait tout à l'heure avec le lycée de l'Homme. On a nos lycées agricoles et on veut que nos lycées agricoles soient avant tout des lycées à la pointe de la technologie agricole pour que nos jeunes puissent aussi avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir être, dès qu'ils seront en activité, être, si je peux m'exprimer ainsi, au top et qu'on puisse, dès le départ, au sein de ces établissements, leur inculquer comment aussi on voit l'agriculture de demain, comment on peut travailler. On a parlé des circuits courts. Moi, sur mon territoire, il y a le lycée agricole de l'Attirage, où ils ont également une boutique en vente directe avec des partenariats avec des producteurs. Sur l'exploitation, qui est une exploitation où il y a de l'élevage, mais également de la culture,
il y a tout un programme d'agroécologie qui se met en place avec la création, la plantation de haies, la création de mares. Donc on voit que nos établissements scolaires rentrent dans toutes ces démarches d'agroécologie qui sont pour nous au sein de la région les politiques que l'on souhaite mettre en place et développer pour l'avenir. Eh ben, on a parlé beaucoup d'agroécologie et aussi de cette plateforme de l'agriculture du futur dont la région de France fait partie avec la DRAF et la Chambre d'agriculture également parmi ces temps forts. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise un petit peu dans ce que vous avez vu aujourd'hui durant l'après-midi? Alors surprise, pas forcément. On se rend compte qu'il y a plein d'initiatives individuelles, et ça, j'en suis très heureuse. Et j'espère que ces initiatives individuelles vont petit à petit faire écho auprès d'autres personnes, et que on va pouvoir développer toutes ces petites niches qui font la richesse de notre agriculture en Hauts-de-France. Une richesse ô combien vaste. C'est beaucoup de rendez-vous sur ces rencontres de la recherche et l'innovation. On a eu plusieurs thématiques sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire. C'est la dernière aujourd'hui de ces rencontres de la recherche et l'innovation. Ça prend une taille importante. C'est beaucoup d'emplois pour notre région. Évidemment, je pense que c'est l'une des forces que vous souhaitez porter, une des ambitions qui est extrêmement importante à porter pour la région de France. Le slogan de campagne de notre président, c'était au travail. Il veut développer vraiment la valeur travail. Toutes les politiques qui sont mises en place au sein de la région, que ce soit les politiques agricoles, mais les autres politiques également, il y a cette envie de redonner du sens au travail, de trouver des solutions pour les jeunes, que ce soit dans le monde agricole, dans le monde de l'environnement. On a développé notamment différentes plateformes, que ce soit Proche Orientation, Proche Emploi, qui sont des outils qui permettent aux uns et aux autres de faciliter le retour vers l'emploi. Merci beaucoup pour cette analyse. Peut-être le mot de la fin, si avant de nous quitter. Alors, le mot de la fin, je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont été déjà dites cet après-midi. Vous parlez peut-être un petit peu de la politique agricole que l'on souhaite ou qu'on a mis en place au sein de la région. Déjà, vous rappelez que depuis 2016, que notre vice-présidente Marie-Sophie Laine se bat aux côtés des agriculteurs pour monter avec les agriculteurs des politiques de terrain. Elle a rencontré chacune des filières et la politique régionale a été établie avec les agriculteurs et on souhaite pouvoir aider les agriculteurs tout au long de la vie, que ce soit pour l'installation, que ce soit dans la transmission, que ce soit dans le développement de leur entreprise. On a vu tout à l'heure, on a parlé d'entreprise, pas forcément d'exploitation agricole, mais on a réellement des chefs d'entreprise mettant la tête des exploitations agricoles. Donc on veut pouvoir les aider tout au long de la vie de cette exploitation. Et bien sûr, on veut également pouvoir répondre aussi à la demande sociétale. Et le plan agroécologie qu'on est en train de mettre en place qui se développe répond complètement à ces demandes sociétales avec une agriculture plus responsable de l'environnement, une agriculture économiquement viable et une agriculture donc qui répond à cette demande sociétale. Donc développer avec le monde agricole ce plan agroécologie, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Voilà, merci pour cette conclusion. On arrive au bout de cet après-midi sur ce thème des rencontres de la recherche et de l'innovation à l'initiative de la région Hauts-de-France. L'agriculture de demain, les nouvelles technologies, l'innovation, les nouvelles organisations, bref, comment s'ancrer dans cette société. Eh bien, c'était le thème de cet après-midi. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, soit en salle ou soit derrière votre écran. Sachez-le, vous allez pouvoir revivre en replay d'ici quelques jours la même émission, reprendre tous les contacts, les adresses. Je voulais remercier tous celles et ceux qui ont préparé l'ensemble de ces temps forts, Rêve Agro, Itera, la plateforme Agriculture du Futur, qui a beaucoup travaillé avec l'ensemble de ses équipes sur
dans l'organisation de cette journée. Merci beaucoup à toute la régie qui travaille beaucoup depuis ce matin pour réaliser ces émissions des rencontres de la recherche et de l'innovation. L'accueil au Quai de l'Innovation, un endroit exceptionnel ici à Amiens. Potion magique pour l'organisation également, l'accueil. HDFID qui a animé également l'ensemble de ces rencontres régionales et de l'innovation. Dès quelques instants, vous allez retrouver de nouveau un nouveau thème abordé par les rencontres de la recherche et de l'innovation. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin, 9h, pour parler de santé et de nutrition. On va parler beaucoup également d'innovation. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. N'oubliez pas tous les contacts de tous les intervenants. Vous allez pouvoir les retrouver en replay également sur les sites internet dédiés à ces rencontres. Merci encore. Excellente soirée à tous.